Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présentes et présents en nombre pour cette conférence matinale qui est intitulée, j'essaie de ne pas me tromper dans l'intitulé, puisque c'est le problème de la police, c'est la justice pour l'interrogation. Et je vous expliquerai que d'ailleurs, on va poser la question dans l'autre sens pour commencer la conférence, c'est-à-dire est-ce que le problème de la justice, ce n'est pas la police pour interrogation. Ce qui permettra de lancer la discussion avec nos deux invités. Donc, Maître François Saint-Pierre, qui est à ma gauche, qui est donc avocat, qui est co-animateur de l'Institut de défense pénale et qui a publié récemment un livre qui s'appelle « Un pays qui voudrait rester libre », donc qui est très impliqué sur les questions de liberté fondamentale et puis sur l'aspect pénal. Donc, je m'excuse d'ailleurs tout de suite, parce qu'on va quasiment pas, ou voire pas du tout, parler de la justice civile, qui est pourtant la partie la plus importante du fonctionnement de notre système judiciaire français, et que pour ça, il faudra faire une autre conférence à un autre moment, vous pouvez compter sur nous, au groupe parlementaire, là-dessus, puisqu'on a des travaux sur la table qui vous seront présentés à l'automne, dans le cadre de la campagne présidentielle et du bilan un peu de notre mandat. François Saint-Pierre a aussi une autre qualité. Il a dit récemment sur Mediapart, et c'est le titre de la vidéo, Éric Dupond-Moretti est un ministre incompétent. Ce qui le situe un petit peu. Et on n'est pas d'accord sur tout, tous les deux, mais sur ça, on est visiblement assez d'accord. À ma droite, Sarah Massoud, qui est du syndicat de la magistrature, qui est secrétaire national du syndicat de la magistrature, et qui, je dois le dire pour ne rien vous cacher, nous alimente énormément en arguments. Ils sont sur leur site internet, hein, c'est pas un truc officieux, hein, ils les publient, et allez voir ce qu'ils font sur leur site internet, c'est très très bien fait, sur toutes les lois, aussi sécuritaires et liberticides, notamment les dernières en date, hein, sécurité intérieure, lutte contre le terrorisme, ça c'était pas la dernière en date, c'était la première en date de cette mandature, mais qui est revenue sur la table très très récemment, vous vous souvenez, avec les algorithmes boîte noire qui ont été étendus, et les mesures administratives, mais des grosses guillemets, de surveillance sur les suspects potentiels qui ont été prolongés définitivement dans le droit commun. Vous savez, c'est cette histoire d'état d'urgence dans le droit commun. Et donc, j'ai souhaité qu'on soit tous les trois pour avoir cette discussion. Est-ce que le problème de la justice, c'est la police? Je poserai d'abord comme ça, puisque vous avez vu qu'il y a eu quand même un petit événement politique qui a marqué les esprits avec une manifestation en mai dernier devant l'Assemblée nationale de la part d'organisations policières, j'allais dire syndicats, mais non, ils ont le nom, mais des fois, j'ai pas l'impression qu'ils en aient tous les attributs, mais en tout cas, des organisations policières qui avaient pointé et dénoncé le fait que le problème des policiers dans ce pays, c'était la justice et son fonctionnement, sous-entendu une justice laxiste, sous-entendu que les policiers, finalement, aimeraient bien pouvoir se faire justice eux-mêmes. Et on va prendre le contre-pied. Est-ce que on peut être satisfait de notre police du côté de la justice quand on est, je ne vais pas dire en bout de ligne, parce que le bout de ligne, ce serait l'administration pénitentiaire, mais en tout cas, quand on est au moment du procès. Je ne sais pas lequel de vous deux veut commencer à lancer les hostilités. La parole à la défense. La parole à la défense. Bien, c'était un slogan hein, du secrétaire national du syndicat Alliance au mois de mai devant l'Assemblée nationale, qui disait effectivement le problème de la police, c'est la justice. Et il voulait dire par là que la justice serait laxiste. Pour qui fréquente les tribunaux, on sait que c'est plutôt le contraire, n'est-ce pas, Sarah Massoud? Mais il n'est pas seul à le dire. Dans le débat politique qui se développe actuellement, Xavier Bertrand, par exemple, qui se voit déjà, comme le général de Gaulle, l'homme présidentiel, a dit que dans les affaires de police, c'est-à-dire d'attaques contre des policiers, il devait y avoir, je cite, « condamnation systématique », ce qui est un non-sens total. C'était au moment d'un procès en cour d'assises et des accusés avaient été acquittés. Autrement dit, pour lui, toute personne mise en cause par la police dans une affaire d'agression de policiers devrait être condamnée. On est dans une confusion totale. Et il a rajouté que pour ce qui est des affaires terroristes, il faudrait un ticket de 50 ans de prison minimum. Bon, donc on est dans une surenchère totale qui répond parfaitement à l'interpellation du secrétaire général d'Alliance. Mais Xavier Bertrand n'est pas le seul. Valérie Pécresse, par exemple,
autre candidate à la présidentielle, a dit à plusieurs reprises, je cite tellement c'est stupéfiant, mais c'est parfaitement sourcé, elle l'a dit à plusieurs reprises, que le code pénal devrait prévoir une circonstance aggravante, c'est-à-dire double peine, pour ceux qui habitent en banlieue en 9-3. Pour le juge de Bobigny, c'est pas mal. Mais je vous assure, tout ça est documenté. Et je continue, ça n'est pas qu'à droite. Monsieur Olivier Faure, qui est secrétaire du Parti socialiste, hein, eh bien, a eu ce mot quand même extraordinaire au moment de la manifestation des policiers devant l'Assemblée nationale, c'est que les juges d'application des peines devraient être encadrés par des policiers au tribunal d'application des peines, parce que les policiers devraient avoir un droit de regard sur ce que fait la justice en matière d'application des peines. En vrai, les policiers, en plus, n'ont pas que ça à faire. Ils n'ont pas que ça à faire. Ils ne vont pas aller au tribunal d'application des peines. Déjà, ils ne comprendraient pas grand-chose. De la part d'Olivier Faure, le signe d'une confusion totale des fonctions des uns et des autres est vraisemblablement d'une inculture judiciaire qui est quand même absolument confondante. Donc moi, je crois qu'ici, nous avons un vrai problème de surenchère populiste sur la question de la sécurité, de la répression, et que les responsables politiques, ceux qui prennent la parole dans le champ public, ont une véritable responsabilité dans cette surenchère. Voilà ce que je souhaitais dire pour introduire le débat. Sarah Massoud, est-ce que les policiers, ils comprendraient pas grand-chose, d'accord. Ok, c'était pas hyper sympa, mais c'est vrai que c'est pas leur cœur de métier. Mais au fond, pourquoi ils sont pas associés à la fin? Est-ce que ça aurait à voir avec, je sais pas, des notions comme la séparation des pouvoirs ou ce genre de choses? En fait, ta question du départ et la problématique de ce débat, finalement, elle est biaisée. Parce que justement, elle répond à une surenchère, elle répond, juste pour revenir un peu sur la question presque politique et philosophique, pourquoi opposer deux camps? On est toujours dans ce type de surenchère, quand on parle de discours populiste, on est soit pour ou contre la vaccination, on est soit pour ou contre le pass sanitaire, on est soit pour ou contre les juges, soit pour ou contre la police. Et donc du coup, c'est très simple, c'est très basique, mais en même temps, du coup, on crée ce qu'on appelle la théorie des deux camps. C'est une théorie qui est partagée par beaucoup de politiciens et de préfets. Hein. Préfet l'Allemand, par exemple. Je vous rappelle, en 2019, lorsqu'il avait croisé cette manifestante qui portait un gilet jaune, alors qu'elle était en train manifestement de l'interpeller sur les violences policières qui étaient à l'œuvre pendant ces manifestations, eh bien, Didier Lallement lui a rétorqué « Madame, manifestement, nous ne sommes pas dans le même camp ». Donc on voit bien, et cette théorie-là, et pourtant Didier Lallement n'est pas un grand philosophe, hein, n'est pas un très grand théoricien des sciences politiques, mais il savait très bien à quoi il faisait référence, c'est ce qu'on appelle le droit pénal de l'ennemi. Et on voit que, contrairement au caractère assez basique de ce type de discours, il est très pensé, parce que lorsqu'on oppose les camps, lorsqu'on crée un ennemi, lorsqu'on crée un factieux, lorsqu'on crée une personne dangereuse, lorsqu'on crée un suspect, lorsqu'on crée un malade potentiellement contagieux. Vous voyez bien toutes les figures de l'ennemi qui peuvent être comme ça instituées dans le discours politique. Et bien, du coup, ça nous empêche de penser. Lorsqu'on dit qu'on est pour ou contre le pass sanitaire, ça ne veut rien dire. Ce qui importe, c'est de savoir quelle politique de santé publique, quelle politique de vaccination. Lorsqu'on parle justement d'exécution des peines, lorsqu'on parle travail policier, lorsqu'on parle pouvoir ou autorité d'une institution judiciaire, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que les policiers contre la justice ou la justice contre les policiers. Surtout qu'en plus, c'est quand même faire montre d'une méconnaissance flagrante du travail quotidien des policiers et des magistrats, puisque quotidiennement, en droit pénal en tous les cas, les policiers et les magistrats, que ce soit les magistrats du parquet ou que ce soit les magistrats du siège, travaille main dans la main avec les policiers, avec des tensions. TTR. Pas forcément que pas le que, TTR. Que, hein. Mais, quand même, c'est... mais tout le monde, les juges d'application des peines appellent les policiers lorsqu'il y a besoin de faire venir un probationnaire qui ne respecte pas ses obligations. Un procureur de la République, il a en ligne les policiers tous les jours parce qu'il contrôle normalement les mesures de garde à vue. Un juge d'instruction, il a tous les jours au téléphone ses enquêteurs, des enquêteurs de la police judiciaire, des enquêteurs d'un simple commissariat, des enquêteurs d'un grand office national. Bref, les juges et les procureurs de la République sont en interaction, j'aime bien ce terme parce que c'est pas du tout pour faire
référence à l'intersectionnalité, hein, c'est pas du tout ça, c'est l'interaction, parce que dans interagir, il y a de la conflictualité, il y a de l'échange, il y a du partage, il y a de la réflexion, il y a des engueulades, enfin bref, ça interagit. Et donc du coup, vouloir opposer comme ça, bon alors là, ça vient d'un syndicat d'extrême droite de police, donc ça n'est finalement que la parole de ce syndicat, et j'ai pas envie non plus de donner une surface trop importante à cette phrase. Mais voilà, donc d'un point de vue de la sociologie des discours politiques, je pense qu'il faut faire très attention à ne pas rentrer dans ce que j'appelle le droit de l'ennemi, la théorie des deux camps, parce que du coup en droit pénal, je ne vais pas vous faire un cours de droit pénal sur la théorie du droit pénal de l'ennemi, mais peut-être qu'on en parlera tout à l'heure ou si vous avez des questions pour que je puisse développer. Donc du coup, il faut faire très attention à ne pas rentrer dans cette logique-là. Et par ailleurs, j'ai envie de vous dire, oui, tout à l'heure, de manière un peu provocante, je vous ai dit, oui, il n'aurait pas forcément compris. Mais ça veut dire quoi, il n'aurait pas forcément compris les enjeux d'un tribunal d'application des peines? Au-delà du fait que le droit des peines, c'est un droit très complexe, c'est surtout que je fais appel à quoi? À la formation des policiers, à la sociologie des policiers, et justement aux enjeux policiers d'une exécution de peine ou pas d'exécution de peine. Donc déjà, rien qu'en vous posant ces trois questions, je complexifie le problème. Donc ça pose le débat. Là, vous voyez les enjeux un peu du débat, et c'est le moment où je vous informe qu'il n'y aura pas d'échange de questions à la fin de la conférence. On va prendre l'une heure et demie au total. Là, vous êtes dégoûté, je sais, je me doute. Mais on va fonctionner différemment, comme j'avais fait la dernière pour la conférence. J'ai mes camarades juste là en bas, Clémentine et Simon, qui sont là. Et donc, vous pouvez tout au long de la conférence, sur un bout de papier, nous faire remonter vos questions, les sujets que vous voulez voir abordés, etc. Et j'alimenterai la discussion de la sorte. Et comme l'année dernière, tout ce qu'on n'aura pas pu aborder, eh ben, je le ferai sur un live sur les réseaux sociaux à part. Comme ça vous oblige à vous abonner à mes chaînes YouTube, à Twitch, etc. Enfin bref, pour voir la suite du débat. Donc, n'hésitez pas à prendre vos stylos, vos bouts de papier, et je vais tout de suite faire une traduction, parce que tout à l'heure j'ai fait le malin en disant que oui, mais de toute façon c'était le TTR, donc forcément on ne sait pas ce que c'est le TTR, c'est le traitement en temps réel. Oui, on fait des acronymes pour tout dans ce pays, c'est vrai. Et ça consiste à, parce que je l'ai fait une journée au tribunal à Lille, en immersion, c'est une sorte de hotline, non c'est une hotline en fait, derrière laquelle il y a un procureur de la République. Un magistrat du parquet, enfin pas le procureur, mais un substitut, qui est là avec un casque et une oreillette. Et donc il y a sur l'écran affiché des appels entrants avec une liste, hein, parce qu'il y a une liste d'attente quand même. Et donc en fait, ce sont des policiers qui sont de l'autre côté du téléphone et qui disent voilà, on a attrapé monsieur machin, madame bidule, et il a fait ça, etc. On l'a placé en garde à vue, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on poursuit l'enquête? Est-ce qu'on le libère? Est-ce qu'on le tend? Etc. Voilà. Et donc, c'est dans ce cadre-là que le procureur, derrière son ordinateur, avec son casque, son micro-casque, gère le contrôle de l'activité de police et l'orientation de la conduite de l'enquête. Okay, c'est ça, la conduite de l'enquête, en fait. C'est très impressionnant. Un peu déprimant quand même, parce que vous voyez la liste des numéros qui s'allonge comme ça. Et moi, c'était une journée calme, en plus, quand j'y suis allé. Et donc, vous avez de l'autre côté des policiers qui disent « Ouais, mais attendez, moi j'appelle, je laisse le téléphone décrocher, ça met 30 minutes, 40 minutes, 45 minutes. » Alors, ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est de la faute d'un autre de leurs collègues, en fait, en vérité, hein, c'est la vérité. Et que surtout, parce qu'il n'y a pas assez de procureurs dans ce pays. Voilà, la deuxième vérité, et peut-être une troisième, c'est qu'on arrête peut-être un peu trop de gens aussi pour des choses qui ne le mériteraient pas. Et qu'il faudra désengorger tout ça. Et là, je vous renvoie à l'autre conférence qui est faite par Eric Coquerel, notamment sur la légalisation du cannabis. Comme ça, je vous en parle aussi à ce moment-là. Donc, vous avez compris, vous mettez vos questions sur des petits papiers et ils me seront emmenés. Faites un grand signe. Et comme ça alimentera le débat. J'en reviens à cette question. Bon, on a compris qu'il y avait deux camps dans l'esprit de ceux qui défendent cette vision d'opposition entre la police et la justice, alors qu'en fait, ils travaillent en temps réel, matin, midi et soir. Et le problème, c'est pas tant qu'on ait fait le titre sous forme de point d'interrogation en reprenant la phrase d'Alliance Police Nationale, c'est qu'il y a toute une partie de la sphère politique, et je dirais même pas de droite, en fait, on a vu très large, puisqu'on a cité tout à l'heure Olivier Faure, je ne donnerai pas de caractérisation politique gauche-droite, okay, vous ne m'emmènerez pas sur ce débat, mais en tout cas
qui, ça lui semblait normal et logique de cette question-là, d'opposition de deux camps, et qu'il fallait les refaire travailler ensemble, alors qu'ils sont tous les jours ensemble, en fait. Et donc, c'est que le problème, ce n'est pas ça. Mais quel est le problème que dénoncent les policiers, selon vous ? Est-ce qu'il y a vraiment un problème pour eux dans leur relation avec la justice ? Si ce n'est le fait que le téléphone, quand ils décrochent pour avoir le magistrat, eh ben, ils l'ont des fois au bout de 2 heures, 3 heures, ou pas aussi rapidement qu'ils l'ont. Est-ce qu'il y a vraiment ce besoin ? D'ailleurs, est-ce qu'ils sont exclus des procès, les policiers ? Alors, je pense que, à charge contre l'institution judiciaire, je pense que, très certainement, à partir du moment où il y a la phase de jugement et la phase de l'exécution de la décision, il manque très certainement, justement, de communication de l'institution judiciaire vers la police. Je pense que les policiers ne sont pas forcément informés, alors, pas forcément en temps réel, hein, ça serait pas forcément un besoin en temps réel, mais au moins sur certaines grosses affaires, sur certains champs, dans certains contentieux. C'est vrai que l'institution judiciaire ne fait pas un retour sur travail effectué par les policiers. Ça, je pense que c'est vrai. Moi, très régulièrement, lorsque j'étais au parquet de Paris ou quand j'étais juge d'instruction à Créteil, j'avais des policiers avec lesquels on avait travaillé pendant des mois sur une enquête, et c'est vrai qu'ils m'appelaient une fois que les personnes étaient déférées ou placées en détention provisoire pour me demander « Bah alors, Madame Massoud, qu'est-ce que vous avez décidé ? Qu'est-ce qu'a décidé le JLD ? Comment ça va se passer désormais ?» Ou alors JLD, après, JLD, juge des libertés et de la détention. Et donc, du coup, c'est vrai que c'était un peu au cas par cas. Il n'y a pas de canal institutionnalisé, justement, pour qu'il y ait un peu un retour sur investissement de la part des policiers. Mais bon, là, ce qu'on est en train de dire là, c'est quand même un détail. Je pense que si on veut un peu avancer dans le débat sur savoir comment peut-être améliorer les relations entre la police et l'institution judiciaire, et ça pas au mépris des droits des gens, c'est-à-dire pas en apportant comme solution des peines systématiques comme certains politiciens veulent nous faire croire, alors qu'en plus ça serait inconstitutionnel, hein, par ailleurs. Mais je pense que du coup, nous au syndicat de la magistrature, sur cette question des rapports police-justice, on est favorable, et ça depuis très longtemps, à ce que la police, et notamment la police judiciaire, c'est-à-dire la police qui s'occupe des affaires les plus graves, pour le résumer, eh bien, devrait dépendre du ministère de la Justice. Ça, par exemple, ça serait une solution, on pense, justement pour faire en sorte que les policiers ne soient plus sous la mainmise et sur les instructions et sur la pression de leur taulier, pour le dire très trivialement, du ministère de l'Intérieur, on parle de Gérald Darmanin, là, ou pas ? Exactement. Dans certaines affaires, c'est plus du tout le divisionnaire ou le chef de groupe d'une PJ locale. C'est parfois des instructions qui viennent de beaucoup, beaucoup plus haut, parce que c'est des affaires sensibles, des affaires de violence policière, et qu'il faut absolument procéder à telle perquisition, à telle écoute, et tout ça. On sait très bien que les policiers ont une pression énorme de la part de la hiérarchie du ministère de l'Intérieur pour aller enquêter dans un sens ou dans un autre. Quand on dit « Ah, ben, les policiers, ils doivent enquêter à charge et à décharge », on sait très bien que c'est faux dans la très grande majorité des affaires, et que si on coupait ce cordon ombilical et qu'on faisait dépendre la police judiciaire de l'institution judiciaire, et que ça soit le juge d'instruction, qui est déjà de toute façon le directeur d'enquête, comme le disait Hugo, dans les textes, dans le code de procédure pénale, normalement, c'est le magistrat qui est le chef, qui est le directeur d'enquête. C'est lui qui donne les instructions, c'est lui qui dit que bah, voilà, telle affaire est terminée, que telle garde à vue doit être levée, normalement, dans la théorie et dans les principes. Mais on sait très bien que la chancellerie n'est pas grand-chose par rapport au ministère de l'Intérieur. Ça, c'est une constance de la Ve République. On est tout, tout, tout petit par rapport au ministère de l'Intérieur. Mais voilà, je vous donne un exemple pour améliorer ces rapports police-justice, faire en sorte que ce soit le magistrat, le juge d'instruction, qui est un juge indépendant, qui, lui, pour le coup, instruit à charge et à décharge, puisse avoir la main mise sur ses policiers et enquêter comme il l'entend, sans qu'il y ait d'instruction du pouvoir. Alors, je pense que quand le secrétaire général d'Alliance a lancé ce slogan, qui n'est pas neuf d'ailleurs, il exprimait un profond malaise des policiers qu'il représente. Et je pense qu'il faut toujours écouter les syndicats, même Alliance. Et ce qu'il voulait dire, je pense, à ce moment-là, on est en mai 2021, c'est que ça ne va plus du tout pour les policiers. Mais pourquoi ça ne va plus du tout ? Ce n'est pas tant dans leur relation avec la justice, à mon avis,
qu'avec leur propre ministre et à Paris, avec le préfet de police, monsieur Lallemand, que vous évoquiez tout à l'heure. Il y a eu, depuis la révolte des Gilets jaunes, une pression mise sur la police, non pas dans sa fonction de police judiciaire, mais de maintien de l'ordre. Et la doctrine du maintien de l'ordre a été totalement redéfinie à partir de la nomination du préfet Lallemand. Et ça correspond avec, vous vous souvenez, en janvier, l'attaque autour de l'Arc de Triomphe, le boxeur sur la passerelle qui avait fait reculer les gendarmes. C'est à ce moment-là que la doctrine a changé et il a été dit qu'il fallait aller au contact, etc. Résultat de l'opération, avec l'usage de ces grenades, des LBD, nous avons eu 30 manifestants qui ont perdu une main amputée ou un œil. Et moi, je dis que ce type de répression des manifestants, quel que soit le contexte, dans une démocratie, dans un état de droit, c'est inadmissible. Le président Emmanuel Macron a eu ce mot impardonnable à mes yeux. Il a dit « Oh, il n'y a rien eu d'irréparable ». Ah bon ? Donc, nous avons affaire à une police qui s'est retrouvée en charge d'une répression qui, humainement, pour chacun des policiers, a été un problème, à mon avis, consciemment ou pas. Vous ne pouvez pas demander à des policiers de pratiquer une répression sanglante comme celle-ci. Nécessairement, vous les déstabilisez collectivement. Et je pense que ce gouvernement, ce préfet de police, sont responsables de cette situation-là. Il y a une fracture de l'opinion du peuple, de nous tous, avec la police. Souvenons-nous, au moment des procès de 2015, les policiers, dans la rue, ils étaient applaudis par les gens. 5 ans plus tard, les gilets jaunes leur disaient « suicidez-vous ». Et chacun sait que dans ce métier, il y a quand même beaucoup de suicides. Donc c'est un métier difficile parce que ce gouvernement lui impose une mission qui est tout à fait, à mon sens, anti-républicaine. Et la question du maintien de l'ordre, aujourd'hui, elle est cruciale pour ce qui est de l'identité de la police, des policiers dans notre pays. Je reviens... Non, simplement pour dire, moi je suis tout à fait d'accord sur la doctrine... La doctrine de contact scandaleuse avec ce maintien d'ordre extrêmement brutalisant du préfet de police de Paris. Mais il faut quand même pas oublier que cette doctrine du maintien de l'ordre, du contact et de l'affrontement, elle avait déjà été mise à l'œuvre avant Didier Lallemand, en sachant que Didier Lallemand, avant d'être le préfet de police de Paris, était le préfet de police de Bordeaux, et déjà à Bordeaux antérieurement. C'était la deuxième ville après Paris où il y avait des blindés au début des Gilets jaunes. Déjà, avant même le gouvernement Macron, il y avait un maintien de l'ordre qui commençait déjà à être dans le contact et l'affrontement avec des instructions très claires de ce qu'on était dans l'escalade et non pas du tout dans la désescalade. Et je vous donne par exemple la répression de la COP21 en 2016, et puis surtout... la répression cinglante qui avait été faite des manifestations El Khomri en 2016 et également les manifestations du 1er mai, très familiales, avec des enfants, je me souviens, des personnes âgées dans les manifestations, avec une utilisation déjà des LBD et surtout des gaz lacrymogènes de manière industrielle. Et là, on était sous les socialos. Et déjà avec des instructions policières et des instructions du préfet de police qui étaient dans un maintien de l'ordre déjà. Il y avait déjà un basculement. Et ce basculement, il a été autorisé. Ouais. Et j'en finirai juste là. Parce que le maintien de l'ordre, il faut toujours le mettre en perspective par rapport à quel est l'état du droit à ce moment-là. Et l'état du droit à ce moment-là, c'est qu'on était sous état d'urgence. Pas l'état d'urgence sanitaire, mais l'état d'urgence dit antiterroriste. Je ne vous rappellerai pas qu'en 2015 a été déclaré l'état d'urgence dit antiterroriste, que cet état d'urgence a été prolongé 6 fois entre 2015 et octobre 2017, avec l'adoption de cette fameuse loi SILT, dont a parlé Hugo tout à l'heure, et qui a été intégrée désormais dans notre droit commun il y a quelques semaines. Ça a été totalement validé. Et ce qui permet de dire à plusieurs professionnels du droit, universitaires, avocats et défenseurs des droits humains, que depuis 2015, on est dans un régime d'exception quasi permanent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est sous état d'urgence, il y a une modification de notre ordonnancement juridique. Il y a des modifications de notre droit pénal et il y a ce qu'on appelle un brouillage qui est fait entre police administrative,
c'est-à-dire la police préventive, et notamment le maintien de l'ordre. On est beaucoup dans la police préventive, c'est-à-dire qu'on est soumis pour beaucoup, je vous résume à gros traits, mais au code de sécurité intérieure, et donc et un brouillage entre cette police-là et la police judiciaire, où là on applique des incriminations pénales et tout ça. Eh bien, les socialos et ensuite les macronistes ont utilisé l'état d'urgence pour soit créer de nouvelles incriminations pénales, soit utiliser de façon massive des incriminations pénales, justement pour mater les manifestants. Il y a des infractions comme ça qui ont été utilisées pour faire des gardes à vue préventives, pour permettre aux policiers, justement, de matraquer les manifestants. Vraiment, hein, je vous le dis de manière... Voilà, le fameux délit de participation à un groupement en vue de commettre des dégradations ou des violences. Cette incrimination pénale a été utilisée de manière industrielle pour placer les gens en garde à vue, les empêcher de manifester et en plus les poursuivre au pénal. Alors que cette incrimination pénale, elle n'était pas du tout prévue pour ce type de fait au départ. Donc tout ça pour vous dire que j'ai envie de vous dire qu'on soit dans un gouvernement de droite ou de gauche, enfin de droite ou de droite, pardon, parce que du coup, moi, je me permets j'ai rien à dire. Moi, j'ai rien à dire. La parole est libre des intervenants. La question du maintien de l'ordre, voilà, elle est devenue extrêmement brutalisante déjà depuis très longtemps. Et elle avait été déjà très, très, très sévèrement expérimentée. Il ne faut jamais l'oublier, parce que quand ça concerne le centre de Paris, tout le monde en parle. Mais ces techniques de maintien de l'ordre, l'usage du LBD, l'usage du gaz lacrymogène, avaient d'abord été expérimentées dans les banlieues par Sarko. Et la fameuse incrimination de participation à un groupement en vue d'eux, ce sont d'abord les gamins de banlieue qui l'ont éprouvé, avant les gilets jaunes. Donc ça, c'est toujours très important de le savoir. Et en sachant, et j'en terminerai là, parce que je peux être bavarde, en sachant que ce fameux droit administratif répressif, ce fameux droit pénal de l'état d'urgence, aujourd'hui, on en parle beaucoup parce qu'il y a eu les manifestations des Gilets jaunes. On en a parlé un tout petit peu lorsque ça a touché les banlieues sous Sarko, avec véritablement une répression à outrance et des lois sécuritaires déjà qui visaient juste ces quartiers-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant ça, avant que ça soit les banlieues qui éprouvent ce type de loi sécuritaire, ce sont les étrangers. Ça a toujours été le droit des étrangers qui a, avant même les banlieues, avant même les manifestants, les blancs manifestants, qui ont éprouvé ces incriminations pénales, et notamment les contrôles d'identité, les contrôles aux faciès, et puis je ne vous parle même pas des illégalismes étatiques qui sont à l'œuvre à Calais et à la frontière italienne. Donc il faut toujours, juste pour mettre un peu en perspective, savoir dans quel contexte juridique on agit et quels sont les droits qui sont percutés par ce sécuritaire. Je peux rajouter un mot ? Je vais en rajouter un avant. D'accord. C'est moi qui anime, donc j'ai... c'est comme quand j'étais président de commission d'enquête, c'était pas mal. Bref, ce que je voulais dire avant, parce que je sais qu'on dérive là-dessus, je voudrais pas qu'on l'oublie sur ces histoires de police judiciaire qui pourraient être attachées pour tout ou partie au ministère de la Justice. Ça fait partie des propositions qu'on a faites dans la commission d'enquête sur les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire, des 63 propositions qu'on avait émises et qui sont en travail très pointu et très assidu avec nos équipes à l'Assemblée, avec ma collègue Danielle Obono, pour vous présenter des lois cadres. Alors on a pris un peu de retard, on voulait les faire avant l'été, ce sera à la rentrée, parce qu'il faut dire qu'à l'Assemblée, on avait prévu normalement d'avoir un peu plus de temps fin juillet, mais il paraît qu'ils ont mis en place un pass sanitaire, enfin bref, il faut que je vous passe les détails. Ça fait partie des propositions qui sont assez évidentes, et je pense que même assez facilement, on commencera par les offices centraux, le fameux office centraux de la police judiciaire qui sont à Paris, qui sont très spécialisés et qui travaillent déjà quasiment exclusivement pour... une compétence nationale, enfin voilà. Et d'ailleurs, c'est le modèle qui est déjà utilisé pour les services, le nouveau SEJF, service d'enquête, financière, enfin c'est le service des finances, qui est l'ancien service des douanes judiciaires auquel ils ont mis des nouveaux policiers inspecteurs des finances, et qui en fait, c'est un service à compétence nationale, ce service-là, judiciaire, avec à la tête, il est prévu, c'est structurel, c'est obligatoirement un magistrat en détachement qui est à la tête de ce service, et il n'a aucun lien avec la hiérarchie de Bercy, parce qu'il est un service à compétence nationale. Donc on pourrait très rapidement
en tout début de mandat, transformer les offices centraux de la PJ pour en faire des services à compétence nationale rattachés. Là, ils sont, le SEJF n'est pas rattaché au ministère de la Justice, mais en tout cas, ça y ressemble beaucoup et c'est un modèle qui est beaucoup plus intéressant du point de vue de la dépendance. Les magistrats en sont contents, les enquêteurs aussi, parce qu'ils ont des liens plus étroits, ils n'ont pas une hiérarchie plombante au-dessus d'eux qui vient leur demander des remontées d'informations, etc. etc. Vous connaissez tout ça. Et d'ailleurs, je disais, quand on parlait de Gérald Darmanin tout à l'heure, c'était pas juste une boutade, puisque souvent on a pointé la remontée d'informations du côté ministère de la Justice, et elle existe, elle est organisée, il y a une circulaire, etc., donc c'est pas un scoop, mais il y en a une aussi bien plus efficace, elle est au ministère de l'Intérieur, il n'y a pas de circulaire, il n'y a pas de cadre, il n'y a rien du tout, il faut remonter comme ils veulent ce qu'ils veulent, et on n'en sait rien. Et d'ailleurs, Éric Dupond-Moretti ne m'a jamais démenti, puisque dans des tas de questions au gouvernement, pas forcément les notes d'ailleurs, ou dans des débats parlementaires, il a dit... parce que vous croyez qu'on est les premiers informés au ministère de la Justice. Voilà. Donc, sous-entendu, c'est Gérald qui a toutes les infos en primeur. Et c'est la vérité. C'est la vérité du fonctionnement. Et il y a eu d'ailleurs des écoutes diffusées par Mediapart l'été dernier du téléphone portable de M. Squarcini, qui était en discussion avec un certain Frédéric Vaux, qui à l'époque était encore à la police judiciaire. Le DGPN, c'est le directeur général de la police nationale, qui est le mari de la directrice de cabinet de Dupond-Moretti, d'ailleurs. C'est pas moi qui l'ai dit. Voilà. Il n'y a pas du tout de conflit d'intérêts. Non. Rien du tout. Et donc, ce monsieur explique à Bernard Squarcini bien sûr, qu'il y a des remontées d'infos, évidemment, et il y a d'autres services de la PJ avec qui il discute, si vous vous souvenez de ses écoutes, de l'affaire Cahuzac. Où Squarcini avait réussi à obtenir le fond de dossier de l'affaire Cahuzac par ses contacts policiers. Et ils avaient d'ailleurs informé que François Hollande était tout à fait informé de ce qu'il y avait dans le dossier Cahuzac. Voilà, je clôt la parenthèse, mais c'est pour vous dire qu'il y a un petit problème démocratique quand ça fonctionne comme ça et que ça fait partie de nos propositions. Je reparlerai après, je vous laisse la parole, maître. Non, mais alors, je poursuis ce que vous venez de dire. Je pense vraiment que la société a tellement évolué que les structures qui régissent les rapports police-justice sont obsolètes et qu'il faudrait les repenser fondamentalement. Évidemment, ce n'est pas sous la gouvernance de M. Macron que ça se fera, parce qu'il n'a pas de doctrine politique sur la police et la justice. On le voit bien. Et la nomination de son ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, montre que c'est toute autre vision des choses, assez personnelle, de nommer quelqu'un qui, semble-t-il, serait populaire dans les médias pour rapporter des voix. À la vérité, il nomme quelqu'un qui est radicalement incompétent. C'est ce que je disais effectivement il y a quelque temps ailleurs, mais pas seulement incompétent. C'est quelqu'un qui est extrêmement brutal dans son comportement, qui est grossier dans ses relations avec les gens, qui a un fonds de culture extrêmement réduit, et du coup une compétence plus que limitée. Et puis, je dois dire qu'il y a de vrais problèmes de malhonnêteté. Donc quand on nomme quelqu'un comme ça ministre, on est assuré qu'il ne va pas se passer grand-chose. Le fond du problème, c'est vraiment de redéfinir les relations police-justice, mais également à l'intérieur de la justice, la question fondamentale de l'indépendance du ministère public, des procureurs. Or, là-dessus, il y a un vrai clivage gauche-droite, puisque très clairement, que ce soit le Rassemblement national ou bien les Républicains, il s'agit de abroger cette loi de 2013 qui avait donné une certaine indépendance aux procureurs pour les remettre sous la férule du gouvernement, comme autrefois, c'est-à-dire dans une vision très jacobine des choses. Là, il va falloir arbitrer et prendre parti et savoir pourquoi l'indépendance de la justice et notamment du ministère public, c'est-à-dire des procureurs, est quelque chose d'essentiel pour la défense de la société, des libertés fondamentales et éviter une manipulation de la justice par le pouvoir politique. Et je ne pense pas seulement aux affaires politico-financières, mais également à la répression des mouvements sociaux. Bon, ça, c'est quelque chose qui est absolument essentiel et qu'il faut mettre dans le débat. J'ai eu une bonne question et j'ai oublié, j'ai commis un impair. Quelqu'un me demandait pourquoi Pascal Pascariello n'est pas là. Pascal n'a pas pu se libérer et venir, je l'avais invité et donc elle n'était pas disponible pour ce week-end-là et le document avait déjà été imprimé au moment où vous l'avez reçu. Voilà, ça c'est l'explication. Donc je l'excuse et on essaiera de faire quelque chose pareil dans nos,
dans nos présentations de loi cadre qu'elle vienne animer aussi des débats à ce moment-là, et elle était tout à fait disposée et volontaire pour le faire. Il y a des questions qui m'ont été remontées sur l'organisation de la police, sur l'IGPN, etc. Et du coup, je vais les évacuer tout de suite en vous disant qu'il y a à 17h30, si je ne dis pas de bêtises, une autre conférence sur la police et la police de proximité et l'organisation de la police. Donc c'est à ce moment-là qu'on traitera ces questions-là. Et on m'a demandé, du coup, pourquoi il n'y a pas de policiers là ? Et c'est vrai, alors pour deux raisons. Ouais, c'est quand même juge d'instruction qui mène les enquêtes, c'est pas loin de la police quand même. Hein. Bon, ouais. Ok, c'est syndicat de la magistrature, mais enfin, bon, bref. Et non, pour deux raisons. La première est qu'il est extrêmement compliqué d'avoir des intervenants policiers. Parce que quand on s'adresse au syndicat de police officiel, si on veut pas Alliance, on va aller à SGP Police FO, bon, c'est pas complètement. Il y a la CGT Police. Alors, il y a la CGT Police, etc. Et donc, un certain nombre d'entre eux ont été sollicités pour faire ces conférences. Aujourd'hui, aux amphis, ils n'étaient pas forcément disponibles. Donc, il y a aussi des histoires de disponibilité pour venir sur un week-end comme ça. Et une fois qu'on sort des quelques camarades qui osent s'exprimer publiquement et qui sont policiers, les autres, il y a des tas de policiers avec lesquels je suis en contact, mais jamais de la vie, jamais, 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 vous saurez qu'ils sont insoumis. Parce que vous savez comment ça se passe dans la police, donc ils n'ont pas envie d'être ostracisés, mis à l'écart, etc. Parce que Alexandre Langlois aura fait la démonstration à lui tout seul que quand même vous pouvez assez être vite mis dans le collimateur avec des vraies représailles concrètes pour votre vie matérielle quotidienne. Donc ça dissuade, c'est la vérité, hein, ça dissuade. Bon. Et deuxième élément, c'est que comme on parlait de police, on parlera de police tout à l'heure, et d'ailleurs je vous dis tout de suite, Pierre Jox malheureusement ne pourra pas être disponible, et il sera parmi nous sur les événements, les propositions des lois 4 sur Paris, il a eu un impératif de dernière minute, mais on voulait là, ce matin, parler de la police du point de vue de la justice. C'était ça l'enjeu en fait. Et c'est l'enjeu de la discussion, qu'on n'ait pas que le son de cloche d'Alliance Police Nationale qui racontait n'importe quoi quand même sur cette tribune, pour en parler. Et je pense que c'est sain aussi qu'on voit cette relation police-justice, du côté aussi de la justice, parce que c'est les deux pendants. Donc voilà pour les explications concrètes de pourquoi nous sommes avec un avocat pénaliste et une magistrate du syndicat de la magistrature. Mais je pense que le débat est de qualité quand même. Bon, ça va. Non, mais c'est un vrai sujet hein, pour d'avoir des policiers. C'est un vrai problème. Et du coup, on est très content, par exemple, quand on a notre camarade de la police contre la prohibition, qui est une ancienne policière. Elle n'est plus dans la police, donc ce qui lui permet aussi de s'exprimer en tant que capitaine de police. Pareil, on l'avait invitée pour la conférence sur la légalisation du cannabis, évidemment, avec Eric. Et elle n'est pas dispo ce week-end, donc c'est aussi à un moment donné. Le monde concret et réel nous rattrape. Mais donc, on a des contacts comme ça, et c'est très important de les faire vivre et de les montrer et d'en faire la démonstration. Ça va faire la transition avec un autre truc, c'est que au-delà des policiers qui ont dû matraquer des gens, certains ne devaient pas être d'accord. Le maintien de l'ordre a marqué les esprits, et pas que les esprits, a marqué les corps aussi. En réalité, c'est une perte de sens totale pour le métier de policier. Quand vous avez des suicides, ce n'est pas juste parce que les manifestations étaient répressives. C'est qu'il y a ce truc dont on nous explique qu'elle a été supprimée 18 fois, hein, si vous les écoutez bien, c'est la politique du chiffre. Ah bah, dans tout le quinquennat précédent, il vous a expliqué que c'était fini, la politique du chiffre, il n'y en avait plus. Au début de mandat, c'est pareil. Gérard Collomb a dit non, politique du chiffre, c'est terminé. On allait verbatim, c'était à l'Assemblée. Donc, et là, dernièrement, il y en a un qui est un peu plus nerveux. Et c'est vrai que quand je l'ai interrogé la dernière fois, je ne sais plus sur quel texte, j'ai dit oui, il paraît que la politique du chiffre, c'est fini. Et il me fait non, j'ai jamais dit ça. Il s'appelle Gérald Darmanin. Voilà. Et c'est vrai que lui, il n'a pas eu grand-chose à faire, parce qu'elle a toujours existé, la politique du chiffre, elle n'a jamais été supprimée, mais là, il l'assume, vous savez, avec sa présentation régulière des chiffres à la tribune, en expliquant, etc. Et quel est le problème de la politique du chiffre? Et je vais le rattacher tout de suite à notre sujet central. C'est que quand c'est votre chef de la police, et donc le préfet, et donc le ministre de l'Intérieur, qui vous dit, ben voilà, il me faut 12 interpellations de fumeurs de joint, il m'en faut 10 pour non-port du masque, il m'en faut 15 pour ça, etc., parce que c'est ça, hein, concrètement, qui se passe, à la fin, qui récupère le dossier au traitement en temps réel, là, et qui récupère en défense, c'est les avocats, de l'autre côté. Et donc la question qui se pose, en fait, c'est, est-ce que finalement, c'est la justice qui décide de sa propre activité?
est-ce que c'est le procureur qui décide vraiment d'ouvrir les enquêtes? Ou est-ce que c'est pas plutôt la police qui l'alimente et puis le procureur, à la marge, vient essayer de contrôler le mastodonte? Parce que quand on voit que les infractions sur les stupéfiants, les ILS, les fameuses ILS, les infractions sur la législation des stupéfiants, ça représente, je sais pas, 240 000 infractions constatées par les policiers chaque année, c'est juste énorme dans le poids du fonctionnement de la machine judiciaire. Comment on peut essayer de rééquilibrer les choses et ne pas faire en sorte que ce soit la police qui alimente la justice? Ou alors est-ce que finalement il n'y a pas le choix et ça peut être que comme ça? Je disais tout à l'heure que le ministère de l'Intérieur, durant toute la Ve République, a toujours eu le dessus sur la chancellerie. Ça s'illustre justement sur ces affaires de politique pénale. Quelles sont les orientations de politique pénale en France? On va vous dire, ça va être le pouvoir exécutif qui va aller voter telle loi, qui va déclarer comme priorité de politique pénale tel ou tel contentieux. Là, on le voit sur les stupéfiants, mais on le voit aussi sur les violences conjugales, qui est devenue une réelle politique pénale d'urgence ces derniers mois, on va dire, même si ça a toujours été urgent depuis une dizaine d'années dans les tribunaux. Mais tout ça pour vous dire que ces orientations de politique pénale, elles ne sont pas décidées par la chancellerie, elles sont décidées par le ministère de l'Intérieur et ensuite elles sont déclinées dans les juridictions. Sauf que vous pourriez avoir des organisations internes aux juridictions. Par exemple, un président peut décider, un procureur pourrait décider, je voudrais que dans ma section parquet, il y ait deux ou trois magistrats de plus à l'ECOFI, à l'économique et financier. Ou alors sur tout ce qui concerne l'habitat insalubre. Il y a des procureurs qui décident ça. Ou en droit civil ou en droit commercial, parce que l'activité civile, comme le disait tout à l'heure Hugo, c'est plus de 70% d'une activité d'un tribunal, c'est pas que du pénal. Donc du coup, il y a des chefs de juridiction qui décident de mettre un juge ou un substitut ou un vice-procureur de plus dans des contentieux comme ça qui sont moins visibles, voilà, d'un point de vue médiatique. Sauf que... Moins rentable politiquement pour la droite. Moins rentable pour la droite. Dit autrement. Sauf que, après, il faut avoir une police qui suit. C'est bien beau d'avoir un juge d'instruction et COFI en plus, mais si vous n'avez pas d'enquêteur, si vos commissions rogatoires mettent entre un an, 18 mois ou 2 mois ou 2 ans pour commencer à être activé, ça ne sert à rien d'avoir un juge en plus dans tel ou tel contentieux. Moi, j'ai été juge d'instruction pendant plusieurs années en Ile-de-France et j'ai été totalement tributaire du nombre d'enquêteurs que j'avais dans tel ou tel contentieux. Pour mener une opération de police en matière de stup, mais il n'y a aucune difficulté. Et encore, j'étais en charge de trafic de stupéfiants qui était d'ampleur. Je ne vous parle pas de l'interpellation de petits choufs ou de petits trafics de stupéfiants de certains quartiers. Non, c'était des énormes trafics de stupéfiants avec des implications internationales et tout ça. Mais lorsque vous décidez une opération de police, de suite, un divisionnaire vous met à disposition, pour l'opération d'interpellation, vous met à disposition entre 30, 40, 50 policiers. C'est énorme. Voire des hélicoptères. J'ai eu des hélicoptères sur des go-fast. Alors, c'était des énormes go-fast. Mais quand même, un hélicoptère. J'ai dit, mais je ne veux pas d'hélicoptère. Vous mettez des gens à la... Et je peux saisir la douane et puis on pourra s'arranger autrement, mais pas un hélicoptère. Mais même le juge, vous voulez pas faire un petit tour d'hélicoptère? Non, mais je ne vous mens pas. Bref, tout ça pour vous dire qu'une opération de police qui va être dirigée par un magistrat, il n'y aura aucune difficulté dans certains contentieux, et en particulier en matière de trafic de stupéfiants. Sur le niveau, pas instruction cette fois-ci, mais sur le niveau plus commissariat, vous aurez toujours, pareil, des policiers en nombre pour aller faire des contrôles d'identité et pour aller faire ce qu'on appelle les infractions aux droits des étrangers, c'est-à-dire, contrôle, envoi dans les centres de rétention avec procédure ensuite administrative et préfectorale pour faire des procédures d'expulsion. Pareil, vous avez toujours des policiers qui sont en nombre pour aller faire des contrôles d'identité et des interpellations sur les lois sur les étrangers. En revanche, et là je parle d'expérience, lorsque vous avez des dossiers même de règlement de compte, des dossiers de viol, des dossiers de prostitution, je vous parle de faits graves, qui sont des atteintes aux personnes, qui peuvent concerner par ailleurs des mineurs, là vous allez avoir des groupes, ce qu'on appelle des groupes de policiers dans des PJ ou même dans des sûretés. Je ne sais pas si vous connaissez la hiérarchie des polices, mais en gros c'est commissariat, sûreté, PJ, office. Et bien même au niveau sûreté,
qui traite des affaires, on va dire, lambda, mais qui commence à avoir une certaine ampleur, eh bien, sur les dossiers de viol sur mineurs, qui sont en masse, hein, ben, j'avais quoi ? 2 enquêteurs ? 3 enquêteurs ? Dans les brigades de protection des familles, hein, qui s'occupent justement de toute l'enfance en danger, de toutes les violences conjugales, lorsque sont en jeu des maltraitances sur enfants au-delà du conflit conjugal, pareil, j'avais des commissions rogatoires qui pouvaient attendre des mois et des mois, alors qu'il y avait un gamin en danger, toujours à domicile, sans juge des enfants saisi. Donc du coup, c'est bien beau de parler de politique pénale de tel ou tel contentieux, parce que j'ai pas forcément envie, bon, à part pour le stup, où je considère que véritablement, faut totalement légaliser, voire dépénaliser, enfin, faut totalement revenir sur le système répressif, mais parce que ça fonctionne pas, hein. C'est juste que ça fonctionne pas. Le répressif a totalement prouvé son inefficacité. Donc même d'un point de vue très macronien, très économiste, très matérialiste, très utilitariste, aujourd'hui, la répression, enfin en tous les cas, la législation en matière de stupéfiants est totalement ubuesque. Bon, bref. Mais à part ce contentieux-là, j'ai pas envie de faire de hiérarchie entre eux. Bah voilà, il va falloir plus s'occuper des règlements de compte que des viols, que des violences conjugales, que des braquages. Là, je parle juste des atteintes aux personnes, hein, parce que je pense que c'est ça qui est le plus important. De prostitution, il n'y a pas de hiérarchie à voir. Et bah pourtant, il y a de la hiérarchie en termes de gestion des effectifs policiers. Or, mettre en avant la prostitution des mineurs, mettre en avant les viols sur mineurs, parce que du coup, en mettant des moyens, en mettant des effectifs, en formant des enquêteurs, en prévoyant également des experts suffisants, parce que qui dit des atteintes aux personnes, bah, ça veut dire aussi des experts psychologues, des experts légistes, des experts en addiction. Il faut savoir qu'en matière de violence conjugale, 54% des faits sont commis sous l'empire d'un état alcoolique. Donc si on ne traite pas des addictions en commissariat dès le départ, on ne traite pas de ces faits-là. Bref, ça demande justement un peu plus de complexité dans la manière d'appréhender un contentieux. Mais ça, le ministère de l'Intérieur, il n'a absolument pas envie de mettre en avant ce type de contentieux. C'est beaucoup trop compliqué, c'est beaucoup trop coûteux, et puis électoralement, ça ne paye pas. Donc du coup, vaut mieux parler de Madame Michu, je suis désolée pour Madame Michu, et de sa boîte aux lettres dégradée par des choufs en bas de son quartier. Là, pour le coup, on est sûr de parler à tout le monde, plutôt que de parler de son gamin de 14 ans qui a violé sa sœur dans un contexte extrêmement graveleux. Parce que Madame Michu, elle n'a pas envie qu'on parle de ses problèmes intrafamiliaux, mais en revanche, elle veut bien parler des petits gamins du quartier qui traînent dans ce hall d'immeuble. Je réduis comme ça à très gros traits, mais c'est ça, aujourd'hui, le discours politique en matière de politique pénale. Et ce discours-là populiste et extrêmement, on va dire, court-termiste, eh bien, aujourd'hui, c'est celui qui est le plus visible et malheureusement qui détermine les moyens à la fois dans les commissariats et dans les offices, même dans les offices, hein, et qui détermine, du coup, les politiques pénales qui sont mises en œuvre dans les juridictions. Et juste pour rebondir sur le TTR, sur le traitement en temps réel, c'est-à-dire, en gros, toutes les enquêtes de flagrance et quelques enquêtes préliminaires où il y a des gardes à vue et vous avez un procureur de la République, un substitut ou un vice-procureur qui dirige l'enquête, qui essaye aussi de vérifier si la garde à vue n'est pas illégale, parce qu'il y a aussi ça, hein, il y a la direction d'enquête et le contrôle de la mesure privative de liberté. Eh bien, dans le cadre de ce TTR, c'est pas du tout le procureur de la République qui va aller appeler les policiers en disant « vous allez me placer en garde à vue telle ou telle personne ». Non, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que c'est interpellation, mais interpellation sur la base d'instructions policières et d'une politique pénale intérieure, et qui vont décider, par exemple, tel jour on va faire du stup, tel jour on va faire de l'étranger, tel jour on va faire du cambriolage non pas commis par des blancs banlieusards, hein, non, commis par des Roumains, des Serbo-Croates, parce que si on peut faire d'une pierre deux coups et les expulser, c'est double bâton dans les chiffres. Donc du coup, c'est eux qui vont alimenter sur la base de politiques pénales qui seront décidées dans le cabinet de Darmanin. Donc vous voyez, c'est un cercle vicieux, en fait. On est complètement piégé par ce cercle vertigineux où on est, en gros, pour le dire à gros traits, depuis une trentaine d'années, sur 3 gros contentieux, quoi. Voilà, on tourne sur ça, le discours politique s'appuie sur ça, ça plaît à Madame Michu, ça plaît aux Parisiens, ça plaît à CNews, et puis comme ça, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Les policiers sont épuisés, les magistrats sont épuisés, et il y a une perte de sens totalement de la fonction judiciaire, au sens grand du terme. Et j'en finirai par là, juste sur cette question-là.
Je discutais encore avec Fabien Jobard, qui est un sociologue de la police, sur la totale désaffection des policiers pour la qualité d'enquêteur. Depuis à peu près 5 ans, il y a véritablement une fuite des policiers vers ce qu'on appelle la voie publique. Avant, vous aviez les anciens lieutenants de police, les commandants de police, c'est-à-dire des gens qui savaient faire de la procédure pénale, monter des procédures, qu'on appelait les procéduriers, vraiment des vrais enquêteurs, qui demandent un certain temps et des connaissances en droit pénal et en procédure pénale. Eh bien, ces policiers-là, on les a tellement écœurés à force de politique du chiffre, à force de pression interne, à force de défauts d'effectifs, de conditions de travail extrêmement dégradées, parce qu'il y a aussi des conditions de travail matérielles extrêmement dégradées, eh bien, du coup, il y a une fuite de ces fonctions. Et donc, du coup, presque le métier le plus, qui est le cœur de métier policier, c'est-à-dire enquêter à charge et à décharge, savoir maîtriser une procédure, être en relation avec les magistrats et pas seulement avec son commissaire pour aller faire juste du bâton, eh bien, ça, il y a une totale désaffection. Et là, il y a des campagnes qui sont faites en interne pour que des OPJ quittent, des officiers de police judiciaire, quittent la voie publique pour rentrer dans les PJ, dans les offices. Avant, un policier qui arrivait à la BRB, à la brigade de répression du banditisme, qui allait à la brigade criminelle quand même, qui est l'élite, et ben même la brigade criminelle a du mal à recruter aujourd'hui à Paris. Donc du coup, il y a aussi, au-delà des moyens, au-delà de la politique, on a aussi la sociologie de la police. Et je pense que si on ne parle pas de ça, de la formation des policiers et de la sociologie de la police, on n'arrivera pas à transformer notre police. Au-delà du fait que je ne sais pas si vous voulez débattre de l'abolition de la police ou pas. Qu'est-ce que c'est que ces perches lancées ? On propose de passer la formation initiale. Au départ, on avait dit de 1 an à 2 ans. Mais en fait, comme ils l'ont descendu entre 2 à 9 mois, donc on va devoir la passer de 9 mois à 2 ans. Qui serait c'est les nouveaux standards, on va dire ça comme ça, chez nos homologues européens. Il y a même des pays pour lesquels la formation initiale de policier pourrait être juste gardien de la paix sur la voie publique. Hein. Je ne parle même pas du gardien de la paix que vous pouvez croiser. Il y a certains pays, c'est 3 ans de formation initiale avant de pouvoir être sur le terrain. Mais oui, parce que quand vous devez gérer des problématiques aussi différentes et aussi larges que toutes celles qui ont été évoquées sur notamment les problématiques intrafamiliales ou après du stup ou après, bon bref, etc. La gestion des conflits, ça prend du temps. C'est un haut niveau de connaissance qu'il faut pour appréhender ces problématiques-là. C'est pas des types qui sont là, disons, qui veulent faire les cow-boys, parce que là, à la fin, ça finit toujours par dégénérer pour le policier lui-même et pour les gens qu'il a en face de lui. Et ça se finit parfois au disciplinaire. Maître, quand même, c'est une aubaine pour vous. Mais bien sûr. Non, c'est une aubaine parce que s'ils font tous les dossiers à l'arrache, qu'ils ne savent pas la procédure, alors, machin, etc., pour la défense, c'est quand même. Ce qui est vraiment essentiel, à mon sens, c'est que dans les tribunaux, on parle droit. On ne parle plus politique. Et ça me semble vraiment important pour que la justice puisse répondre en termes de droit aux affaires qui lui sont apportées par la police, la gendarmerie, de la manière qui vient d'être décrite par Samara Massoud, suivant une politique impulsée par le ministère de l'Intérieur. Je vais prendre un exemple très concret et actuel pour illustrer ça. Le préfet l'Allemand, qui donc se comparait au général Galifet, le massacreur de la Commune, pour expliquer ses nouvelles fonctions de préfet de police, très bien, a mis en place, et je réponds à ce que vous disiez tout à l'heure, il a légitimé cette pratique du maintien de l'ordre hyper brutale. Et donc il l'a fait admettre comme parfaitement normal et nécessaire dans cette situation-là. Il a développé des techniques de police de manière systématique, et notamment ce qu'on appelle le nassage. Il s'agit de regrouper dans un coin un ensemble de manifestants ou de personnes pour les contrôler, les arrêter, les placer en garde à vue et casser une manifestation en cours. Bon. Ça a été décrié comme étant l'occasion de brutalité totalement excessive. Ça, c'est la politique du préfet de police et du ministre de l'Intérieur. Très bien. En face, que font les avocats? Ils raisonnent en termes de droit, c'est-à-dire de recours en justice. Et ils ont introduit 3 sortes. 1, au Conseil constitutionnel. Il y a ce qu'on appelle les questions prioritaires de constitutionnalité. Et toute personne qui est poursuivie devant un tribunal peut dire « Ah, cette loi n'est pas constitutionnelle ». Et donc, la question de la légalité du nassage a été portée devant le Conseil constitutionnel. C'était de mémoire au mois de février.
Et il a dit non, ça n'est pas d'ordre constitutionnel, c'est une appréciation, ça ne me concerne pas. Donc, il n'y a pas eu de censure à ce niveau-là. Les avocats sont allés à ce moment-là au Conseil d'État. Et ça, c'était de mémoire début juin 2021, hein, c'est-à-dire 2 mois. Et le Conseil d'État, là, a jugé que le plan de maintien de l'ordre du ministre de l'Intérieur et du préfet allemand était totalement illégal, et notamment cette pratique de nassage. Donc ça, c'est quelque chose de très important. C'est pas parce qu'il y a une politique hyper brutale en face qu'il faut baisser les bras. Il faut rester déterminé. Et nous vivons peut-être face à un gouvernement autoritaire. Je veux dire, nous vivons face à un gouvernement autoritaire, mais nous vivons dans un état de droit qui permet d'y répondre par ses recours en justice. Et donc, le Conseil d'État a annulé ça. Le troisième recours, c'est devant les juges judiciaires au tribunal, par exemple celui de Bobigny. Et si on n'est pas d'accord avec une décision, on va en appel, que ce soit l'avocat de la défense ou le procureur, et on peut aller devant la Cour de cassation. De mémoire, le 23 juin 2021, donc il y a 2 mois de ça. La Cour de cassation a statué sur cette question de nassage. Et elle a dit que cette pratique n'était légale qu'à la condition d'être absolument nécessaire dans une situation donnée et proportionnée. Donc, elle n'est pas le législateur, la Cour de cassation, elle ne va pas dire c'est légal ou pas légal d'une manière générale. Elle examine au cas présent si oui ou non l'opération de police était justifiée, proportionnée, vraiment nécessaire. Alors, en l'occurrence, elle a dit oui, mais elle a quand même posé des critères qui permettent aux avocats ensuite d'aller plaider en comparution immédiate au tribunal, ici ou là, avec cet arrêt en main, pour dire qu'une arrestation brutale d'une personne qui est poursuivie, par exemple, pour rébellion à la suite de cela, eh bien, est illégale parce que ce nassage était illégal. Ce que je veux montrer par cet exemple, c'est que rien n'est simple, mais rien ne se fait si on ne combat pas en justice, avec des arguments de droit, ces situations-là. Et ça, ça me semble essentiel de le dire parce que c'est le travail des avocats. Et dans toute cette période que je date en fait depuis 2015 et notamment ensuite depuis la révolte des Gilets jaunes et toute l'époque actuelle, je ne plaide pas par corporatisme, je dis que les avocats, ils ont rempli leurs fonctions. Ils ont introduit des tas de recours. Et je vais prendre peut-être un autre exemple pour le dire. Nous avions un problème de surveillance de la voie publique par des drones policiers. Et ça, pour moi, c'est un problème extrêmement important parce que je pense que si dans les rues, des villes, de partout, sur les plages, nous avons des drones pour surveiller la population, ça pose un véritable problème de santé publique mentale. Derrière, lié aux questions de liberté publique, il y a des questions de santé mentale. On vit mieux en démocratie, on vit moins bien en dictature. C'est une évidence. Et les drones, c'est-à-dire la surveillance par des robots volants de la population, c'est un problème extrêmement important. Le ministère de l'Intérieur, c'était M. Castaner, avait commandé 650 drones. 650 drones, vous pouvez surveiller la plupart des villes de France de cette façon-là. Il y a une association excellente, qui s'appelle la Quadrature du Net, qui a décidé de mener systématiquement en justice des recours contre tout ce qui lui semble porter atteinte aux libertés fondamentales avec des moyens numériques. Bon, le tribunal administratif avait rejeté son recours. Le Conseil d'État lui a donné raison et a annulé l'utilisation par le préfet allemand des drones à Paris, en disant que ça ne pouvait être utilisé que pour guider l'état-major de loin pour des mouvements massifs de population, mais certainement pas pour identifier des personnes. Alors, dans la loi sécurité globale, qui a été votée récemment, et on a voté contre, hein, évidemment, et vous avez saisi le Conseil constitutionnel qui a annulé les dispositions que, mais en grande partie, les dispositions que le ministre de l'Intérieur voulait réintroduire dans cette voie-là. Ce que je veux dire ici, c'est que rien n'est simple, rien ne se fait si on ne se défend pas, et il faut se défendre dans les tribunaux, au Parlement, toujours et toujours y revenir. Sarah. Simplement pour rebondir, peut-être pour ouvrir un peu sur aujourd'hui quelles peuvent être les formes de militance et de lutte. Nous, syndicat de la magistrature, ça fait 40 ans qu'on attaque tous les textes
le schéma national du maintien de l'ordre, les NAS, les drones, toute la technopolis, on est partie prenante, notamment avec la Quadrature et d'autres orgas de défense des droits humains. Donc du coup, notre arme, nous, syndicats, c'est d'attaquer tous les textes devant le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation et le Conseil d'État. D'ailleurs, on pousse aussi à certaines QPC, même si dans le cadre d'affaires en cours, on s'organise pour qu'il y ait un cas individuel avec d'autres organisations pour justement saisir le Conseil constitutionnel. C'est pas que je veux être pessimiste, hein, c'est toujours bien d'avoir des gens qui continuent à croire en nos juridictions suprêmes. Mais quand même, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, mais également la Cour de cassation, ces dernières années, une question véritablement se pose de savoir si véritablement ils sont, au-delà de l'institution judiciaire, des gardiens des libertés publiques et des libertés individuelles. Le Conseil d'État, pendant tout l'état d'urgence sanitaire, dans 98% des cas contentieux, nous, au syndicat de la magistrature, on a saisi le Conseil d'État à une dizaine de reprises, on a attaqué toutes les ordonnances. Le Conseil d'État s'est fait totalement le porte-parole du gouvernement. Il suffisait d'assister aux audiences du Conseil d'État pour voir que, dès que le gouvernement faisait telle ou telle promesse vaine, de rétablir, on va dire, juste de petites parcelles de liberté, eh bien, le Conseil d'État croyait aux promesses du gouvernement, qui n'étaient bien sûr pas exécutées, hein, les semaines qui suivaient. Mais tout ça pour vous dire que, du coup, alors ça ne nous a pas étonné dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, je vous donne cet exemple-là, parce que le Conseil d'État a travaillé de manière industrielle pendant cette période-là, mais on pourrait faire exactement les mêmes reproches au Conseil constitutionnel. Sur la décision sur la sécurité globale, certes, il y a eu censure partielle sur les dispositions concernant les drones, les caméras embarquées, les caméras fixes, enfin bref, toutes les dispositions, ce qu'on appelle nous Technopolis avec la Quadrature, mais il en a validé le principe et a dit au gouvernement, si on sait lire en sous-texte une décision du Conseil constitutionnel, « Ok les gars, là c'est pas très très bien rédigé, mais revenez à la charge en quelques mois et je vais vous valider tout ça, et preuve en est ». Un projet de loi qui s'intitule « Projet de loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » qui a été déposé cet été, qui va être examiné à l'Assemblée nationale le 14 septembre et qui, pour moitié, reprend toutes les dispositions sécurité globale qui ont été soi-disant censurées par le Conseil constitutionnel en s'arrangeant avec quelques griefs constitutionnels et en essayant de faire passer un texte qui avait été censuré quelques années, enfin, ou quelques mois auparavant. Et c'est systématique. C'est-à-dire qu'il en a été exactement de même pour la loi renseignement 2015, pour la loi SILT d'octobre 2017, pour la loi séparatisme, on va voir, hein, parce que la censure du Conseil constitutionnel, pour le coup, elle n'est pas inintéressante parce qu'il y a plein de dispositions sur lesquelles il n'a pas statué, donc ce qui va ouvrir le champ au QPC. Mais voilà, je vous parle un peu techniquement, mais on se pose beaucoup de questions de savoir est-ce qu'aujourd'hui, des formes de lutte peuvent autant intégrer l'arme du droit ou pas. Est-ce qu'aujourd'hui, manifester, est-ce que c'est une manière de pouvoir s'opposer, de contester un pouvoir en place ou des dispositions que certains jugent liberticides? Quelles sont aujourd'hui les formes de militance qui peuvent prospérer? C'est une vraie question, nous, au syndicat de la magistrature. Alors, nous, on n'est pas un parti politique, hein, mais on est très politisé. Mais c'est un vrai... je pense que c'est une vraie question pour la vraie gauche de savoir comment lutter ces prochaines années. C'est un véritable rouleau compresseur. Je pense que 2022 n'est rien du tout par rapport aux prochaines années. La loi renseignement, c'est un siphonnage de données personnelles, de nos données numériques. On est vraiment dans des tournants extrêmement autoritaires. Au sein desquels la magistrature, on pense qu'on est encore dans un état de droit, mais qu'on est en un état de police, ce qui n'est pas incompatible, hein, mais vraiment. Et quand je dis état de police, je mets le mot police au pluriel. Et donc, à nous de nous organiser pour savoir quelle lutte pourrait prospérer. Alors, ça va passer par les urnes en 2022, avec quel programme. Mais je ne suis pas sûre que la France insoumise gagne en 2022. Désolé, Hugo, hein. Mais je pense qu'on va encore devoir... On n'a pas la devoir... même appréciation là-dessus, c'est, ouais. Vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que là où j'exprime un certain pessimisme, c'est qu'on est sans cesse, alors au syndicat de la magistrature, mais aussi avec les collègues avocats qui se battent pour les libertés, on n'est pas dans une ère de liberté,
on n'est pas dans une ère de quête de droits, on est dans une ère de défense des droits. Et ça, c'est extrêmement malheureux. Encore du temps de nos parents, de mes parents, on arrivait à encore créer de nouveaux droits, notamment dans certaines matières. Il y a encore une quarantaine d'années, en matière de droit du travail, il y avait encore quelques quêtes. Là, dans tous les champs, on les perd, ces droits. Et on voit bien que la colonne vertébrale de notre état de droit, elle commence un tout petit peu à être égratignée. Un tout petit peu, parce qu'à force, à force de manger des droits, de réduire la surface de l'état de droit, eh bien, du coup, la question véritablement démocratique se pose. C'est pour ça que je parle d'état de police, parce que je pense qu'on est à ce stade-là, on est dans un régime extrêmement autoritaire, avec un pouvoir exécutif qui est extrêmement fort, parce qu'on est sous état d'urgence permanent. Et donc, du coup, on a un Parlement qui est totalement asséché. On a des pouvoirs et des contrôles juridictionnels qui sont très faibles. Et donc, du coup, c'est un vrai questionnement démocratique qui se pose à nous. Et du coup, comment réagir pour pouvoir justement continuer à lutter ? Le pire pour moi, c'est quand les magistrats, les juges eux-mêmes, se mettent à ne plus croire dans le droit. Bon, ça, je vais prendre un exemple très concret pour dire qu'à ce moment-là, effectivement, les libertés peuvent s'effondrer. La loi d'urgence sanitaire avait prévu que pour lutter contre la COVID-19 et la pandémie, eh bien, il fallait que les délais de détention provisoire des personnes incarcérées avant jugement, c'est-à-dire présumées innocentes, soient prorogés automatiquement de 4 mois, de 6 mois. La loi était tellement mal écrite que c'était Nicole Belloubet, la ministre de la Justice à ce moment-là, avait pris une circulaire pour dire « Bon, ben, c'est automatiquement prolongé, donc il n'y a même plus de débat, d'audience, si vous voulez, pour prolonger ça. » Concrètement, la justice, c'est qu'une personne est en détention provisoire pour un délai limité de 1 an, de 4 mois, de 6 mois, mais à chaque échéance, elle comparaît devant un juge des libertés et de la détention pour qu'il y ait un débat et on discute si elle va être maintenue en prison ou pas. C'est quand même essentiel. Ben voilà notre ministre de la Justice de l'époque, Madame Belloubet, qui avait dit « mais il n'y a même pas besoin d'audience, ce n'est pas la peine parce qu'il y a la Covid-19 ». Les avocats ont dit « c'est inadmissible, il faut qu'il y ait débat ». Ouais, sauf que qu'est-ce qui s'est passé dans les tribunaux ? Le groupe parlementaire de la France Insoumise. Mais dans les tribunaux concrètement, les procureurs étaient là devant le JLD à dire « mais la circulaire dit il n'y a pas de débat, donc il ne faut pas de débat ». Devant les chambres d'instruction des cours d'appel, les juges disaient « mais il n'y a pas de débat, pourquoi est-ce qu'on nous ennuie avec tout ça ?» Madame Azan, qui était la contrôleure générale des prisons à ce moment-là, a calculé que 22 000 personnes ont vu leur détention provisoire, c'est-à-dire leur incarcération, prolongée sans débat contradictoire. 22 000 personnes. Il y a une prof de droit qui s'appelle Madame Letteron qui a dit que comme la loi, c'était sur ordonnance en fait, n'est-ce pas, n'avait pas encore été ratifiée, purement administratif. C'est-à-dire que nous avons eu affaire à un problème de détention illégale arbitraire, mais cautionné par quantité de procureurs, de JLD, de magistrats, de cours d'appel. C'est ça le problème. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un jour, c'était à la cour d'appel de Caen et au tribunal d'Épinal, quasiment le même jour, des juges ont dit non, et ils ont donné raison aux avocats. Et l'affaire est remontée à la Cour de cassation. Et pour la première fois, la Cour de cassation a fait du teasing sur son site internet pour dire « on va se prononcer ». Et c'est donc la Cour de cassation qui a jugé que tout ça était totalement illégal et qu'il fallait tenir des audiences. Donc voilà un bel exemple, j'ose plus employer le terme de résilience puisque la Macronie l'a happé, mais un bon exemple de résistance ou d'insoumission, hein, eh bien, à un système qui n'est pas acceptable. Comment est-ce qu'on a obtenu ce résultat-là ? Ben, par une combativité. Or, c'était a priori perdu d'avance. Non, il faut le vouloir. Voilà. Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il faut utiliser, enfin c'est mon point de vue, hein, utilisons toutes les armes à notre disposition, voilà, tous les outils que nous avons à notre disposition, utilisons-les. J'ai eu une question tout à l'heure de quelqu'un qui sait comment on se positionne
sur les nouvelles formes de lutte de désobéissance civile et qui amènent souvent à des procès. Je pense aux décrocheurs de portraits d'Emmanuel Macron, là, l'action qu'il y a eu avec Greenpeace, par exemple. Enfin, il y en a plein, hein, ce qui se passe à Bure, etc. Bien sûr qu'on a, on continuera à soutenir, on a soutenu systématiquement les camarades qui se sont mouillés là-dedans. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu la chance, l'honneur de pouvoir témoigner à un des procès à Amiens. Et en plus, c'est un des procès où on a eu la relax. Donc, je suis content. Je ne sais pas si je suis pour quelque chose. On va dire que oui, comme ça, je suis content. Sûrement, ouais. Mais du coup, c'est important parce qu'on l'a fait effectivement en droit. Mais on ne l'a pas fait que en droit. On l'a fait aussi en faisant la manifestation devant le tribunal, avant toute la campagne, en soutenant la campagne qu'il y avait avant, en disant pourquoi cette action, elle était faite et elle était importante. Mais il y a une deuxième question qui est importante, qui dit, bah oui, mais demain, vous serez au pouvoir. Est-ce que, du coup, les gens qui décrocheront un portrait d'Emmanuel Macron, même, non, il ne sera plus là. Donc, du coup, le cas de figure ne se posera pas. Mais imaginons qu'ils font une action de désobéissance civile, j'en sais rien, moi, contre une grande entreprise, etc. Le droit, on ne va pas pouvoir le changer en claquant des doigts. Est-ce qu'ils seront quand même poursuivis et traités devant la justice ? Oui, il y a une probabilité que ce soit le cas. Mais les procureurs de la République, en attendant qu'on fasse la grande réforme nécessaire dans le cadre de l'Assemblée constituante, puisque l'essentiel de la réforme devra être d'ordre constitutionnel d'abord, seront encore sous la cinquième classique telle qu'elle fonctionne, c'est-à-dire qu'on a des circulaires de politique pénale, et le ministre de la Justice insoumis fera ses circulaires de politique pénale en disant au procureur, bon, non, quoi. Vous avez une idée du nom ? Non, j'ai pas encore le nom. Ça, vous verrez plus tard. D'ailleurs, il y a une question rigolote. Enfin, pas si elle est pas rigolote, en fait, elle est sérieuse. Est-ce que ce serait pas plus simple de fusionner le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice ? Alors, pour moi, oui, évidemment. Il y a des exemples. Aux Pays-Bas, hein, c'est le cas, par exemple. Mais vous avez, du coup, l'équivalent de l'institution judiciaire qui est complètement indépendante avec un conseil de justice qui fonctionne vraiment à part. Donc, ça demande une autre architecture. Je sais pas si en France, ça serait bien perçu. Je pense que direct, on nous comparait au Venezuela, par exemple. Donc, je ne sais pas si on fera ça. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne option. Mais en tout cas, il peut y avoir des césures qui soient marquées plus intelligemment. Et c'est très important. Je vais revenir juste un tout petit peu sur ce qu'on a dit avant la séquence précédente, les drones, le Conseil d'État, les points de résistance qu'on a eus, etc. Parce que si on rentre un tout petit peu plus dans le détail, ça va nous intéresser, nous, pour la bataille politique, le rapport de force et la suite de l'après-2022, parce que il y a une probabilité non négligeable que l'on puisse gagner, Sarah, je le dis, voilà, sans raison. La dernière fois, on va faire la même rengaine. Alors, on se moque de nous pour ça, mais moi je m'en fous. À 600 000 voix près, c'était bon, je vous signale. Donc voilà, donc je le redis, parce que c'est vrai. À 600 000 voix près, ça passait au deuxième tour, tout au moins. Donc on peut aller les chercher. La mauvaise nouvelle quand même, c'est que le Conseil d'État au départ s'est prononcé contre les drones uniquement dans le cadre de la surveillance sanitaire pour les gens qui ne portaient pas leur masque. C'est ça la première décision qui avait attaqué la Quadrature et donc qui continuait de l'utiliser en manif. Les gens de la Quadrature du Net avaient dit, mais enfin, c'est le même, vous abusez, quoi. Le Conseil d'État a dit que vous n'avez pas le droit, c'est la même chose pour la manif, quoi. Et donc ils ont dû réattaquer une deuxième fois, ils ont réobtenu une décision contre la préfecture de police, en disant non, tant qu'il n'y a pas de cadre légal, tant que la loi sécurité globale n'est pas votée avec les amendements, enfin les articles qui permettent d'avoir le cadre juridique, l'utilisation du drone en manifestation est illégale et proscrite. Bon. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Qu'a fait le préfet l'Allemand dans les manifs suivantes ? Il a quand même utilisé les drones. Mmh. Et là, il y a juste un petit problème dans l'équation. Et on pourrait parler la même chose pour les NAS. Le schéma national de maintien de l'ordre a été attaqué. La disposition qui prévoit le nassage comme une technique comme les autres de maintien de l'ordre a été annulée par le Conseil d'État. Toutes les manifs là que vous avez vues récemment, est-ce que vous avez... Il n'y a jamais eu de nassage, hein, surtout pas à Paris, non, pas du tout. C'est terminé, on ne l'a plus jamais vu. Bien sûr que si, il continue de faire un nassage. Alors il s'appuie aussi sur ce que a dit la Cour de cassation en disant oui, il faut que ce soit nécessaire et proportionné. On repart dans d'autres débats juridiques. Mais le préfet l'Allemand a compris un truc, c'est que même si lui ne respectait pas la loi, on va envoyer qui pour la lui faire respecter ? La police ? Non, mais vous voyez le problème de l'équation, quoi. Et lui, il a compris ça. Il a parfaitement intégré et compris ça. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que demain, s'il y a un ministre de l'Intérieur insoumis, comme c'est un état de police,
on pourra leur dire, bon les gars, c'est bon, vous arrêtez. Il n'y aura pas besoin de faire voter une loi pour leur dire d'arrêter de faire le nassage. Et vous arrêtez de faire des nassages, point. Donc ça s'appliquera, application immédiate. Donc je vous le dis, application immédiate, dès mai 2022, il n'y a plus de nassage dans ce pays. D'ailleurs, il n'y aura plus de LBD, ils n'auront plus le droit de sortir les LBD dans les manifestations, point. Et même si on a fait la bataille pour dire qu'il fallait le mettre dans la loi, l'interdiction du LBD, parce que là, c'était un moyen aussi politique pour communiquer, pour faire savoir, pour mener la bataille en faisant une proposition de loi. Mais il y a ces choses-là, ce sont des choses qu'on pourra faire d'application immédiate et extrêmement simple. Et pour ceux qui seront quand même traînés devant les tribunaux parce qu'il y aura des procureurs qui voudront ouvrir des poursuites contre telle ou telle personne, eh ben, il y aura des avocats pénalistes qui seront là. Le ministre de la Justice se taira parce qu'il ne donne pas son avis sur les affaires en cours. Hein. Le ministre de l'Intérieur l'ouvrira pas trop. Mais les dirigeants politiques qui ne seront pas ministres auront toute la latitude pour se prononcer en solidarité. Là-dessus, et à la fin, il reste quand même des moyens sur l'application des peines, etc., où on pourra changer les choses. Je vous dis ça, c'est dans l'intervalle, avant qu'on fasse voter les lois qui vont faire en sorte qu'on pourra plus mettre en prison telle ou telle personne pour tel type de délit, c'est-à-dire tous les trucs qu'ils ont créés là depuis 4 ans, plus ceux qu'ils ont créés sur la mandature précédente aussi, parce qu'il y en a quelques-uns à rattraper, hein. Donc on va faire un inventaire à la Prévert assez détaillé, assez précis, avec une loi d'abrogation qu'il faudra effectivement assez vite voter, et on pourra aussi faire des lois d'amnistie, je le dis, on le fera pour un certain nombre de militants politiques qui auront été condamnés indûment pour qu'ils soient amnistiés. Alors, il n'y aura pas de grâce présidentielle, voilà, ce sera une loi. On assumera politiquement que ce soit une loi discutée à l'Assemblée nationale et au Sénat, parce que je pense que c'est là que se trouvera la meilleure légitimité. Une fois que j'ai dit ça, du coup, on m'a dit, oui, en attendant que la formation soit revue, et on fait quoi? On garde les flics cogneurs. Non, chaque fois qu'il y en a un qui ne respectera pas le code de déontologie, disciplinaire, évocation, enfin, je sais pas. C'est pour ça que je voulais absolument qu'on ait Pierre Jox pour la conférence tout à l'heure. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, il ne pourra pas être là, mais on l'aura une prochaine fois sur un autre événement à Paris. Parce que lui, c'est ce qu'il a fait en 80, enfin, du coup, 83, 84, pour être précis. Et j'ai re-regardé dans les archives, en 84. Il y avait eu une manifestation de police, enfin, un syndicat de police avait appelé à manifester parce qu'un fonctionnaire de la BAC avait été tué dans des circonstances un peu étranges. Et il avait interdit purement et simplement la manifestation. Voilà, point. Et je ne suis pas sûr que la police de 83-84 a été plus sympa que celle de 2021. Quoi. Donc, quand il y a une volonté politique, on peut faire ce genre de choses et prendre des décisions fermes et les faire respecter dans l'état le petit état de droit qu'il nous reste. Il y a quand même une question qui se pose, deux questions qui se posent. Je vais les mettre en une. Quand même, cette histoire des gilets jaunes qui m'embête parce que les magistrats du siège qui sont indépendants, qui ne dépendent pas des circulaires de politique pénale qui s'adressent au parquet, ont quand même condamné à la pelle des primo-délinquants, je mets des guillemets parce que pour moi c'est pas forcément des délinquants, mais enfin des gens qui étaient pour la première fois devant la justice, qui étaient poursuivis parce qu'ils avaient fait telle ou telle dégradation, tel ou tel machin, et que voilà. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème sociologique de la magistrature qui peut-être s'est senti assailli à ce moment-là et aussi menacé par ce mouvement et qu'il fallait, il fallait rappeler qu'il y avait la justice et qu'il y avait des limites et il y a eu, je ne sais plus, quelqu'un me demandait les chiffres, mais je crois qu'il y a eu plus de 1200 personnes qui ont été condamnées à des peines de prison ferme ou peut-être même un peu plus, mais c'était de mémoire, ce qui est quand même énorme pour un mouvement social, ce que j'ai jamais vu en fait en réalité. Et une autre question qui n'est pas la même mais qui peut se recouper. Comment on fait quand il y a des PV qui sont des procès-verbaux qui sont falsifiés? Parce qu'il y a quand même beaucoup de procès, notamment des procès d'assises récents, sur ce qui s'était passé à Viry-Châtillon. Je prends celui-là parce qu'il est assez récent, hein, qui ont montré que, les procès-verbaux falsifiés, ça existe. Je ne sais pas dans quelle proportion, je ne m'avancerai pas à donner des chiffres, rien du tout. Mais comment on fait quand on est magistrat, comment on fait quand on est avocat, face à ces situations-là, pour défendre ou pour faire en sorte de respecter le droit, quoi, tout simplement. Et dernière sous-question, on m'a dit, la justice peut-elle s'auto-saisir pour instruire un procès contre un débordement policier? Je connais la réponse, mais je vous la pose volontiers. Alors, plusieurs questions. Alors, sur le traitement judiciaire des manifestations, souvent on attaque la police sur le caractère brutalisant de ses interventions. Je pense que le traitement judiciaire des violences policières est tout aussi brutalisant. Véritablement.
Sur la comparution immédiate et l'exemple des manifestations des Gilets jaunes, nous, de toute façon, c'est très simple. Au syndicat de la magistrature, on est pour la suppression de la comparution immédiate. Donc, déjà, les choses sont très claires. Nous aussi. Après, sur ce qui s'est passé sur les condamnations, il y a plusieurs aspects qui sont assez différents. Le premier aspect, c'est sur le nombre de gardes à vue qui a été massif. Il y a eu énormément de gardes à vue, et notamment des gardes à vue préventives, non pas forcément pour poursuivre les gens au pénal, mais pour empêcher les personnes de manifester. Et donc, raison pour laquelle il y a eu un nombre très très important de classements sans suite, secs. Plus de 50% des gardes à vue ont été levés de manière sèche, parce qu'il y avait une irrégularité de procédure, parce qu'il n'y avait pas d'incrimination pénale qui était caractérisée. Donc, c'est vrai qu'il y a eu énormément de poursuites, mais quand on regarde l'ensemble des chiffres, il y a eu aussi énormément de classements sans suite et majoritairement de classements sans suite. Donc c'est dire quand même qu'il y a eu un contrôle, là pour le coup, du parquet, qui a été un contrôle de régularité de la procédure et de caractérisation des frais. Ensuite, sur la comparution immédiate, il y a eu énormément, parce que comme on est sur des chiffres importants, il y a eu énormément de comparutions immédiates, et c'est vrai que il y a eu des peines qui ont été sévères. Alors moi, je ne peux pas rentrer dans le détail parce que je ne connais pas les procédures, je ne connais pas les faits, donc je me garderai bien de donner un avis sur le caractère sévère ou pas sévère. Justement, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là parce que cette dichotomie laxiste ou pas laxiste, sévère ou pas sévère, c'est toujours compliqué. Il n'y a jamais une procédure qui ressemble à une autre, donc je me méfierai beaucoup de tout commentaire de ce point de vue-là. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a eu des commentaires de ce que énormément de gilets jaunes qui n'avaient pas de casier judiciaire, pas d'antécédent judiciaire, ont écopé d'une peine de prison ferme, ce qui peut apparaître sévère de l'extérieur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi, pour du coup aller au-delà dans le débat, c'est aussi cette procédure d'urgence, la problématique de la comparution immédiate, qui fait qu'on est sur des mandats de dépôt qui pleuvent. Les mandats de dépôt en dehors des manifestations, en dehors de la répression des gilets jaunes, ce système de comparution immédiate où vous êtes déféré au tribunal après 24 heures, 48 heures de garde à vue, où vous passez plus de 20 heures au dépôt, où vous comparaissez dans des conditions où l'accès à sa défense, l'accès à son avocat, l'accès à la procédure, l'accès à un interprète, l'accès à l'avis de sa famille, à des justificatifs est extrêmement complexe, au-delà de la fatigue, de la pression, du stress. Donc c'est de toute façon, par nature, une procédure qui est très attentatoire aux droits des personnes poursuivies et qui est par ailleurs, non pas pour défendre l'institution judiciaire, mais par ailleurs, pour moi, présider les comparutions immédiates très régulièrement à Bobigny, extrêmement compliqué pour les juges parce que vous avez les procédures au dernier moment, parce que vous n'avez pas forcément le temps de voir les avocats, parce que le nombre d'irrégularités qui pourrait y avoir ne sont pas de suite saillantes. Alors c'est vrai que les magistrats les voient plus que les avocats, mais ça... et par ailleurs, il y a une masse de dossiers. Alors vous avez beau renvoyer les affaires, mais il y a des gens qui veulent être jugés immédiatement. C'est pas si simple que ça. Donc du coup, il y a quand même une violence institutionnelle qui est intrinsèque à cette procédure d'urgence et qui est extrêmement pourvoyeuse de mandat de dépôt. Parce que si le parquet décide de renvoyer devant la tribunal correctionnel en sa forme de comparution immédiate, c'est parce qu'il veut un mandat de dépôt, c'est-à-dire une peine d'emprisonnement ferme, soit parce que les faits sont graves, soit parce qu'il y a un risque pour l'ordre public, soit parce que c'est beaucoup plus simple et on est sûr que sera exécuté de manière immédiate la peine qui va être prononcée. Donc du coup, c'est cette procédure-là qu'il faut remettre en question, tant sur le terrain de la question de l'enfermement immédiat que sur le terrain des droits de la défense et de droits des justiciables. Sur la question de, je ne me rappelle plus, la troisième, tu me disais, est-ce que l'institution judiciaire peut se saisir automatiquement de certaines affaires? Oui, tout à fait, hein, l'institution judiciaire peut diligenter des enquêtes d'office, sans qu'il y ait de plainte. Il y a quelques délits, quelques contentieux pour lesquels il faut une plainte préalable, en matière notamment de droit de la presse, il faut une plainte, mais vraiment dans des contentieux très très spécifiques et dans des cas très 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 très, très rares. Mais vous avez dû entendre notamment que le parquet national financier s'était auto-saisi à la suite d'un article, comme par hasard, dans Mediapart ou dans le Canard enchaîné. Donc bien sûr que le parquet peut s'auto-saisir d'une affaire et appeler les policiers en disant « ben voilà, j'ai été informé
quelle que soit la voie d'ailleurs, hein, j'ai été informé d'une potentielle commission d'infraction pénale dans telle circonstance, dans telle zone, sur mon ressort, je vous ordonne de diligenter une enquête. Et puis là, du coup, on envoie ce qu'on appelle un soit transmis et on égrène les instructions et la direction d'enquête. Donc c'est tout à fait possible. On ne le fait pas suffisamment. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas les moyens. Parce qu'on est submergé, parce que déjà qu'on n'arrive pas à vider nos piles. Déjà, il y a les piles de ce que les deux policiers vous envoient, donc c'est pas pour en rajouter sur la pile que, en fait, c'est bon, ouais. Et puis après, c'est-à-dire que c'est bien beau. Moi, j'ai des exemples demandes d'enquête diligentées, notamment à Calais, au vu des exactions qui sont commises par des policiers à l'endroit des migrants, tous les jours. Il y a des infractions potentiellement qui sont commises par les policiers, que ce soit des infractions de violence, que ce soit des infractions de dégradation, lorsqu'on a des images, on a des témoignages où les tentes sont lacérées, où il y a des privations également de droits élémentaires, bref. Et donc du coup, je sais qu'il y a eu des enquêtes qui ont été diligentées à la demande du parquet, sauf que après, que fait la police ? Il y a beau y avoir des relances, si les policiers n'ont pas de moyens, n'ont pas de volonté, qui n'a pas d'instruction pour aller enquêter dans tel ou tel domaine, on se retrouve enfermé, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec l'assise du ministère de l'Intérieur et toute l'ampleur et la puissance de ce ministère sur la chancellerie. J'espère que je n'ai pas oublié quelque chose. Non, c'est bon. Un mot encore sur la comparution immédiate, qui est vraiment un système totalement perverti, parce que c'est effectivement une procédure rapide qui a pour but d'envoyer des gens en prison. Historiquement, c'est, je pense, la comparution immédiate qui est la principale cause de la surpopulation pénale. Surpopulation pénale, il faut bien voir ce que ça représente. Ça veut dire des gens qui passent 23 heures sur 24 dans une cellule à 5 ou 6, dans des conditions totalement, totalement indignes. Nous sommes arrivés à près de 65 000 détenus, et ce qui s'est passé l'an dernier pendant le confinement de 2020 est très intéressant pour voir comment on peut lutter contre cette surpopulation pénale. Ce sont les juges d'application des peines qui ont, au cas par cas, examiné les situations de prisonniers pour les faire libérer plus rapidement, et 15 000 personnes ont ainsi été libérées. Et donc, pendant un laps de temps assez court, on est revenu dans un taux de population pénale qui n'était pas excessif par rapport aux capacités d'accueil, ce qui est très relatif, parce que vous aviez des prisons, par exemple celle de Nîmes, qui était toujours à 200% d'occupation. Donc nous avons eu là la démonstration, je le redis, que les responsabilités sont à tous les niveaux, y compris dans les tribunaux. Les juges, par leur action personnelle, peuvent influer sur une décrue de la population pénale. Et ça, c'est absolument essentiel. Faut pas être fataliste. Faut que chacun exerce ses fonctions là où il est, dans le cadre de la loi, avec les pouvoirs qui sont lui siens. Et à ce moment-là, l'institution peut mieux fonctionner. Le problème, c'est que ça ne dure toujours qu'un temps. Et là, c'est reparti à la hausse, bien entendu. Et la comparution immédiate est considérée tout d'un coup comme un système parfaitement correct de répression. Vous savez que dans la loi sur le séparatisme, des délits de presse, alors évidemment, c'est les délits de presse d'expression raciste, homophobe, tout le monde est contre, très bien, peuvent être traduits en comparution immédiate. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un problème de société se passe, la réponse, c'est la répression, et l'outil, c'est la comparution immédiate, et les choses peuvent durer longtemps de cette façon-là. Donc, il faut rompre, à un moment donné, clairement, avec cette vision des choses, qu'on ne résout les problèmes de société que par la matraque ou la prison. C'est tout à fait bien dit. Et d'ailleurs, je me souviens d'une petite anecdote sur le projet de loi justice, programmation de la justice 2018-2022. C'était le projet de loi de Nicole Belloubet qui a été le texte le plus censuré, la décision la plus longue, pas le plus censuré, la décision la plus longue du Conseil constitutionnel en nombre de censures et de réserves et compagnie. Et on n'était pas peu fiers d'ailleurs, puisqu'on avait porté ce recours à plusieurs, avec l'aide aussi d'un certain nombre d'organisations, dont le syndicat de la magistrature. Dans ce projet de loi, on avait déposé un certain nombre d'amendements, le groupe parlementaire de la France insoumise.
Et il y en avait un pour supprimer la procédure de comparution immédiate. Alors ça paraissait un peu radical là comme ça, de tout de suite du jour au lendemain de la supprimer, mais enfin ça mettait une intentionnalité politique et ça fixait un objectif. Et donc plutôt que d'avoir un débat, parce que quand même ce projet de loi prévoyait de discuter de l'ensemble de l'organisation, l'organisation pénale, pas que, et civile aussi, mais toute l'organisation judiciaire en tant que telle. Et donc il y avait des débats hein, sur aussi l'échelle des peines, où ils ont mis en avant beaucoup le travail d'intérêt général, etc., pour toutes ces choses-là. Et donc quand on est arrivé à cet amendement de suppression de la comparution immédiate, déjà au banc, on ne m'a pas répondu. Au banc, c'est-à-dire la ministre, hein, Nicole Belloubet, défavorable. Voilà. Vous connaissez la scène, hein, vous l'avez vu un certain nombre de fois, comme moi. Et un des collègues de La République En Marche vient dans le micro, il dit « Mais c'est insupportable ces amendements-là, qu'est-ce que c'est que ça, supprimer la comparution immédiate ? Mais c'est pas le sujet, là, on est en train de parler de la justice et de l'organisation de la justice. » Et je vous jure, on a le verbatim, hein, je vous jure que c'est vrai, quoi. Et donc, il y a un moment donné où alors que c'est le point central, le point de départ dans la procédure pénale répressive, c'est la comparution immédiate. C'est ça qui fonctionne matin, midi et soir. Je vais pas dire 7 jours sur 7 parce que quand même, voilà. Mais avec... 7 jours sur 7 à Paris. À Paris, 7 jours sur 7, pardon. Mais du coup, mais à Paris, oui, avec même des 7 jours sur 7. Avec des, c'est quoi les records 6 heures du matin, 7 heures du matin? Même juste des nuits blanches complètes, ça se fait ça? Oui, 6-7 heures à À Bobigny, c'est régulièrement 2-3 heures du matin, les compas, ouais. Et à Paris, c'est tous les jours avec des horaires. Comment voulez-vous, pour un juge, pour un avocat, pour un justiciable, décemment pouvoir s'expliquer et comprendre une affaire lorsqu'il est 5 heures du matin et que vous avez travaillé depuis 8 heures le matin et tenu l'audience depuis 13 heures? C'est impossible. Humainement, c'est impossible. Pour quiconque. C'est pareil à l'Assemblée, hein, au passage. Mm-hmm. Juste, voilà. Voter des lois comme genre, le pass sanitaire au hasard à 5h38 du matin, c'est pas très malin non plus. Quoi. Voilà, bon, juste sur la forme, sans même parler du fond. Et vous savez ce que j'en pense sur le fond. On en a beaucoup parlé. Oh là, vous me renvoyez des piles de questions. Bah, celle-là, je vous les répondrai sur les réseaux sociaux. C'est qui le Conseil d'État? C'est vrai, parce que, alors oui, n'hésitez pas à... C'est la juridiction administrative la plus haute. Vous avez les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'État. Ça traite principalement de tout ce qui concerne les litiges entre les personnes et l'administration, pour la faire en très résumé. Comment est nommé le Conseil d'État? Alors, on ne va pas rentrer dans la réforme du Conseil d'État, mais il faudra avoir une petite réforme du Conseil d'État, parce que les conseillers d'État, en plus, le Conseil d'État a 3 fonctions. Enfin, c'est vraiment un truc, il y a un problème hein, dans l'histoire, puisqu'il y a le contentieux, ce dont on discute depuis tout à l'heure, mais aussi il y a la fonction conseil, d'ailleurs, ça s'appelle Conseil d'État. Ce n'est pas un scoop. Et donc, c'est eux qui nous font les avis du Conseil d'État quand il y a un projet de loi qui est déposé. D'ailleurs, c'était pas très malin d'avoir choisi comme conseiller d'État pour rédiger l'avis sur le pass sanitaire quelqu'un qui avait été pas longtemps avant sur les listes régionales de La République En Marche. Mais bon, bref, je mets ça de côté. C'était pas, enfin, voilà, je remets pas en cause son avis juridiquement sur le fond, mais c'est pas très malin. Ils sont quand même nombreux les conseillers d'État. Ils auraient pu en trouver un autre. Non, mais franchement, parce que bon. Et donc, en fait, il y a une troisième fonction, c'est qu'ils peuvent pas juste sur les projets de loi, le gouvernement peut aussi les solliciter pour faire, je sais pas, une investigation sur un sujet qui les intéresse pour donner un conseil, quoi, au sens large, hors projet de loi. Un conseiller d'État peut être à la fois membre du contentieux et membre du conseil, mais pas sur le même sujet. Alors, parce que quand même, ce serait déconnant, c'est sur le même sujet, là, il y aurait un vrai problème démocratique complet et total, mais ils peuvent faire ça. Et ce ne sont pas des magistrats. Ils n'ont pas le statut de magistrat. À la différence de leurs collègues qui sont en cour d'appel administratif ou en tribunal administratif, qui eux sont des magistrats administratifs. Avec quelques garanties, alors pas suffisamment, mais ils ont quelques garanties. Et alors là, je vous renvoie, parce que sinon ça va nous prendre des heures, il y a une excellente audition d'un président de commission d'enquête. Je crois que c'était Hugo Bernalici. Sur l'indépendance de la justice, qui a auditionné le vice-président du Conseil d'État, M. Lasserre, parce qu'il nous a expliqué justement comment tout ça fonctionne. Il y a un long propos liminaire d'explication du fonctionnement et tout ça. Et on est rentré dans le détail. Elle est très bien, cette audition. Et à un moment donné, il m'explique qu'il y a des coutumes au Conseil d'État et que c'est des garanties. Ça apporte plus de garanties que de l'avoir un statut de magistrat. Parce que la coutume, moi, ça pèse, quoi.
Alors là, j'ai fait, ah, vous êtes sûr? Et en plus, sur le fond, il n'a peut-être pas complètement tort, mais moi, ça ne me rassure pas tellement quand même, cette histoire. Voilà. Mais donc, allez voir cette audition. En vrai, elle est très importante et très intéressante, et tout vous y est expliqué dedans. On en était où? Et sur les GPN, etc., vous avez refait des questions, etc., on en parle cet après-midi. Sur la conférence sur la police de proximité, puisque ça va être un des enjeux, évidemment. Si on veut une police de proximité, une police républicaine, il faut qu'on s'en donne les moyens. Et si vous avez une inspection de la police qui dysfonctionne, c'est pas possible. Il y avait une question qui était intéressante, c'est dans les autres pays européens, est-ce que la police est sous la hiérarchie directe du ministère de l'Intérieur? Alors, moi, je suis nulle en droit comparé, mais je sais que dans certains pays européens, la hiérarchie policière est beaucoup moins pesante. Et justement, il y a des offices indépendants, dès qu'il est question de déontologie et de disciplinaire, ce qui est primordial. Alors, je ne veux pas mordre sur le débat de cet après-midi où je ne serai pas, mais simplement pour vous dire qu'il est totalement scandaleux aujourd'hui qu'en France, on n'ait absolument pas un office ou une entité totalement indépendante qui puisse traiter de la question déontologique, disciplinaire et même de toutes les affaires dans lesquelles les policiers sont impliqués. Une institution... Si, il y a le défenseur des droits. Non, mais le défenseur des droits, il n'a pas de pouvoir. Ah, il ne s'agit pas rien, moi. Mais c'est une autorité constitutionnelle qu'on défend. Pour leur dire que, ouais. En théorie, il y a quand même le défenseur des droits qui est compétent en matière de contrôle externe de la déontologie, qu'il a, il a pas beaucoup de moyens pour le faire, et que la dernière fois, ils avaient pris 36 dossiers, ce qui n'est pas énorme, mais dans lesquels ils avaient dit « Non, là, ça déconne, on demande au ministère de l'Intérieur qu'il prenne des sanctions. » Et combien de sanctions ont été prises sur les 36? Vous avez suivi. Dans le dernier rapport de la Défenseur des droits, il est mentionné que toutes les recommandations en vue de sanctions disciplinaires, aucune n'a été suivie par le ministère de l'Intérieur. Il y a ce qu'on appelle, chez le Défenseur des droits, il y a une commission déontologie à la sécurité qui rend des décisions toute l'année, hein, et notamment des faits de violence policière. Il y a aussi pas mal de faits de violence aussi dans l'administration pénitentiaire, dont on parle moins, mais il y a aussi beaucoup de violence au sein des prisons. Alors, ce n'est pas du tout les mêmes ressorts, hein, ce n'est pas du tout la même culture policière au sens large, mais il n'empêche que ça, le défenseur des droits statue beaucoup aussi sur la question des violences en prison. Mais tout ça pour vous dire que les recommandations qui sont données par le défenseur avant des droits ne sont pas du tout suivies. Je suis allée voir le dernier rapport de l'IGPN, d'ailleurs, c'est assez intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre de sanctions disciplinaires, elle est en baisse ces dernières années. J'ai fait le compte, il y en a 600 en moins depuis les 6 dernières années, alors que le nombre de saisines de l'IGPN est en augmentation, que ce soit des saisines internes ou externes. Quand je dis internes, c'est de l'institution judiciaire, et puis il y a des saisines externes, des signalements de l'extérieur. Et dans le dernier rapport là, qui a été publié avant les vacances d'été, il est mentionné que l'IGPN donc, a été saisie de 1101 enquêtes judiciaires en 2020, dont 48,5% portent sur des faits de violence, donc des faits quand même assez graves, et qu'il y a seulement eu 173 enquêtes administratives. Alors, il faut vous dire, tout est dit, quoi. C'est-à-dire que sur les saisines judiciaires, donc quand c'est une institution judiciaire qui saisit l'IGPN, ça veut dire que du coup, s'il y a enquête judiciaire, c'est qu'il y a matière à enquêter, il y a matière peut-être à poursuivre. Eh bien, c'est seulement dans 173 cas qu'il y a une enquête administrative qui est ouverte. Ouverte. Je ne vous dis pas le nombre de sanctions. Donc du coup, tant qu'on n'aura pas une institution qui soit indépendante et qui ne soit pas seulement composée de policiers, l'office anglais est assez intéressant en cette matière, c'est qu'il y a une minorité de policiers. Je crois que c'est inférieur à 15%, c'est même dans les statuts. Vraiment une minorité d'enquêteurs. Ils sont là juste pour éclairer les enquêteurs. Voilà. Ils n'ont pas le droit d'être enquêteurs. Ils sont là pour aider les enquêteurs à comprendre les situations concrètes. Une scène de crime. Un éclairage, quoi. Ouais. Voilà. Mais sinon, ce sont des universitaires, des sociologues, des experts, des citoyens qui sont en charge de ce type. Et ça fonctionne très, très bien. Ils sont même un peu victimes de leur succès parce qu'ils ont du mal à traiter toutes les affaires parce qu'eux aussi ont un nombre de signalements qui est en augmentation. Donc, c'est une vraie question. Au-delà du fait qu'il est très compliqué pour un magistrat qui est saisi d'une affaire de violence policière, même dans le cas d'une instruction, hein, là je vous parle de la situation la plus, on va dire, la plus raisonnable, c'est-à-dire qu'à mon avis...
S'il y a des faits de violence policière, il faut absolument saisir un juge d'instruction et ne pas laisser le parquet qui a la main, parce que le parquet n'est aujourd'hui pas encore indépendant d'un point de vue organisationnel. Il est très compliqué pour un juge d'instruction d'aller enquêter sur des enquêteurs, enquêteurs qui, par ailleurs, dans une autre affaire, sont saisis pour d'autres faits. Enfin, c'est-à-dire qu'on nous demande d'être totalement schizophrène. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois donner des instructions à des enquêteurs ou voir des enquêteurs dans le cadre d'autres enquêtes, et puis, parallèlement, convoquer ce même enquêteur en vue d'une mise en examen pour des faits de violence policière. Voilà. Oui, il y a un principe de dépaysement qui devait être mis en place systématiquement à la matière, qui n'est pas le cas, qui n'est pas du tout la règle, la norme aujourd'hui, parce que la règle, c'est que vous êtes poursuivi là où vous avez commis une infraction. Donc le truc tourne en rond quand il est à ce sujet-là, et c'est pour ça qu'il y a eu une campagne, d'ailleurs, d'un certain nombre d'organisations, et des droits de l'homme, je pense que vous étiez dedans, au syndicat de la magistrature, justement pour demander le dépaysement systématique des affaires qui ont trait de violences policières, pour que ce ne soit pas le même procureur et potentiellement le même juge d'instruction, que ce soit d'autres policiers, qui au moins, que ce ne soient pas ses collègues immédiats. Quoi. C'est pas la garantie sommitale, mais c'est une garantie, ce serait une garantie supplémentaire. On n'a pas reparlé du coup des PV falsifiés. Ça arrive souvent, maître, que vous débusquiez dans des affaires. C'est déjà difficile de débusquer justement un faux PV. C'est pas évident du tout. Je dis pas qu'il y en a beaucoup, c'est impossible de le savoir finalement. Mais je vous donne un exemple, par exemple. Dans une affaire, une personne, c'est un avocat poursuivi d'ailleurs, pour avoir donné des informations confidentielles à quelqu'un qui n'était pas son client. Et il y avait un PV d'écoute téléphonique d'une personne disant « c'est maître machin qui m'a donné le renseignement ». On est chez le juge d'instruction et on fait écouter la bande. Et dans la bande, c'était « c'est madame un tel ». Autrement dit, ça n'avait strictement rien à voir. J'ai déposé une plainte pour tirer ça au clair et le procureur m'a répondu « on va classer sans suite parce que le policier a été auditionné, celui qui a retranscrit ça, et il a déclaré certificat médical à l'appui qu'il avait des acouphènes et qu'il avait donc confondu. » Comme c'est amusant. Comment voulez-vous y croire encore, hein ? Mais si. Il y a l'affaire de Viry-Châtillon quand même qui est symptomatique. C'est dommage que Pascal... Dommage que Pascal ne soit pas là, parce qu'elle a vraiment énormément suivi cette affaire et beaucoup enquêté. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les auditions dans les affaires les plus graves, les auditions de mineurs, normalement, les auditions dans les commissariats et les sûretés et à l'APJ doivent être obligatoirement filmées. En sachant que dans une garde à vue sur une affaire criminelle ou sur une affaire mettant en cause un mineur, a priori, sur des faits assez compliqués, si l'enquête est, on va dire, normalement menée, il y a à peu près trois auditions, un gardé à vue, il y a à peu près, c'est en moyenne, auditionné trois fois, sans parler des confrontations qu'il peut y avoir avec d'autres gardés à vue. Donc, du coup, tout ça est filmé. Donc, il suffit que vous ayez 10 gardés à vue, vous faites le compte. Hein, vous êtes déjà à 30 auditions. Mettons 2-3 confrontations. Admettons, on a 40 actes qui sont filmés, donc plusieurs heures d'enregistrement. Il est quasiment impossible matériellement pour un juge, et encore moins pour un procureur de la République qui, lui, ne va pas suivre l'affaire au long cours, de procéder au visionnage de chaque audition. Donc c'est vrai que du coup, il est très important de pouvoir échanger avec les avocats s'il y a un doute ou si un mis en examen vous dit « mais non, mais je n'ai jamais dit ça » ou « il y a des petits indices » et tout ça. Donc du coup, on est obligé de visionner. Alors c'est de plus en plus, hein, mais c'est compliqué parce que ça prend du temps. Un juge d'instruction, il a en moyenne, sur ce type de cabinet, 120, 130 dossiers. Vous imaginez, dans une seule affaire, quand vous avez 15 mis en examen, il n'y a que 365 jours par an. Ben, voilà, c'est tout ça pour vous dire qu'on ne sait pas combien il y a de procédures pour faux qui pourraient être engagées, parce que c'est impossible, parce que du coup, ce n'est pas rendu visible, mais que la vérité... C'est les infractions qui sont graves. Hein. Je vous rappelle qu'un faux en écriture publique, c'est criminel. C'est passible d'une comparution devant la cour d'assises. Donc c'est quand même extrêmement grave. Le problème, c'est que ce soit d'ailleurs les avocats ou les magistrats, c'est extrêmement compliqué de pouvoir enquêter là-dessus. En tout cas, c'est la responsabilité des avocats qui, sous le sceau du secret professionnel, parlent avec leurs clients, peuvent savoir ce qu'il en est. Et à ce moment-là, ils ont le droit, c'est dans le code de procédure pénale, de demander au juge d'instruction de voir le film de la garde à vue, par exemple. J'ai le souvenir d'un avocat comme toujours, ça. Les films sont toujours disponibles ? Ah oui, oui. Écoutez... Il n'y a pas des petits bugs techniques, des fois attendez, le policier n'a pas la caméra... Le plus significatif, ça a été un procès en cour d'assises à Aix-en-Provence.
Et l'avocat de l'accusé dit « c'est un scandale, il a été martyrisé, battu, etc. On lui a extorqué des aveux. Bon. » Le juge dit « Très bien, nous allons voir le film de la garde à vue. » Et pendant la garde à vue, la policière dit au monsieur « Vous voulez un autre Coca-Cola ?» etc. Tout s'était très bien passé. Qui était l'avocat déjà ? Qui n'avait pas fait son boulot en voyant ça avant ? Ah, je me rappelle maintenant. Il est ministre, hein, c'est ça ? Ah. On le salue. On va bientôt se revoir dans l'hémicycle. Il y a un vrai sujet, y compris, du coup, moi je pense, on en discutera du coup cet après-midi dans l'autre conférence, sur la police judiciaire. Je suis convaincu, je ne sais pas comment on va s'y prendre et combien de temps ça va nous prendre, mais il va falloir le faire, de refaire la réforme de 1995 à l'envers. La réforme de 1995, c'est celle qui a fait que tous les policiers pouvaient avoir des qualifications judiciaires et devenir officier de police judiciaire, une qualification qui passe, en fait, sont gardiens de la paix, et ils peuvent passer un petit diplôme interne à la police, ça dure 4 mois, je crois, la formation d'OPJ, et ils sont officiers de police judiciaire. Bon, je passe le fait qu'il y ait des tas d'officiers de police judiciaire qui ne font pas de police judiciaire parce qu'ils ont été dégoûtés, ça vous a été dit par Sarah Massoud au début de la conférence. Mais on a une problématique, c'est qu'avant, comment ça se passait avant 1995 ? C'est ce que vous voyez, l'inspecteur Maigret, tout ça, les films policiers français. Et le type en civil qui se balade, machin. Et vous voyez dans les films, ils sont là, dans leur bureau, et puis il y a leurs autres collègues qui, eux, sont en tenue. Et donc, effectivement, il y a des agents interpellateurs qui vont interpeller des gens. Et après, il y avait une forme de séparation des pouvoirs déjà à ce moment-là entre les policiers de voie publique de terrain qui interpellent et celui qui va commencer à ouvrir l'enquête, qui, lui, a un prisme judiciaire, va sécuriser la procédure, etc. Et il y avait assez peu d'interférences entre les deux. Et depuis qu'on a mis le fait que tout le monde pouvait tout faire parce qu'il y avait un continuum de sécurité et qu'il fallait de la police administrative à la police judiciaire, un circuit plus court et que tout le monde pouvait faire tout, on a brouillé les pistes de la sorte. Et moi, j'ai vu quand même en traitement en temps réel, effectivement, que quand c'était des appels de la sûreté départementale, qui sont normalement donc les policiers en sécurité publique qui font du judiciaire de moyen niveau, mais qui font que du judiciaire, des agents qui au téléphone disaient bah, « on fait quoi comme on a d'enquête ?»« Ah oui, une audition, bah, on va faire ça, etc. » Enfin, qui était très allant dans la discussion avec le substitut. Par contre, quand c'était la BAC, c'est bon, on l'a attrapé, c'était lui, c'est bon, quoi. Vous êtes sûr, monsieur le substitut, il faut vraiment qu'on fasse une audition. Non, parce que sinon, on passe ça aux collègues de la sûreté départementale pour la suite. Et donc, on voit bien comment on a tout brouillé, tout rendu plus compliqué. Et encore là, c'est-à-dire que c'est celui qui appelait, c'était un des OPJ de la BAC. Lui aussi, il a la qualification d'officier de police judiciaire. Sachant que la plupart des agents de la BAC n'ont pas la qualification d'officier de police judiciaire. Bon, ce qui est un autre problème. Bon, donc vous voyez bien que là, on peut aussi nous-mêmes prendre des mesures très rapides au sein du ministère de l'Intérieur, dans son organisation, pour arrêter d'être pourvoyeur d'autant de procédures. Et je le redis encore une fois, ce n'est pas un petit sujet, un petit détail. Au-delà du fait que ça ne fonctionne pas, la politique répressive sur les stupéfiants, notamment sur le cannabis, ça représente, grosso modo, c'est au doigt mouillé, mais je pense même que je sous-évalue, au moins 30% de l'activité policière en sécurité publique, dans le petit judiciaire qu'ils font, et pareil du côté des tribunaux. C'est-à-dire qu'une fois que vous réglez ça, instantanément, vous videz de 30% des dossiers, quoi. Donc, vous pouvez, sans même, parce qu'il y avait un autre problème, c'est que comment on fait pour embaucher des magistrats en un an, quoi, sachant qu'ils sont formés en 21 mois, 3 ans et demi. C'est un vrai problème concret, parce que moi, j'aimerais bien doubler les effectifs de magistrats, passer de ils sont 9000 environ, le passer à 18000. Mais au fait, comment il n'y a qu'une seule école nationale de la magistrature qui sont en train de démanteler en faisant un tronc commun avec l'Institut des services publics, vous avez peut-être suivi les histoires. Donc on va avoir des vrais défis politiques devant nous pour pouvoir rentrer en adéquation avec ce qu'on raconte là, ce qui est dans le droit pénal, la procédure, et donner des garanties. Donc on va devoir actionner plusieurs leviers, les flux entrants, les flux... Nous allons faire un peu de gestion de flux aussi, voilà, pas de choix. Les flux entrants et les flux sortants. Et on compte bien effectivement aussi sur les avocats pour veiller au grain. Du respect de la procédure. Et ma dernière question, ce sera, et après on vous laisse parce qu'il faudra qu'on aille manger aussi tous et qu'on est en train déjà de dépasser le temps. Est-ce que au fond, aujourd'hui, de par ce rythme effréné, ces tas de dossiers qu'on passe, est-ce qu'il n'y a pas une tolérance quand même beaucoup plus grande qu'avant au non-respect de la procédure par les magistrats ?
Vous, vous soulevez des nullités, machin, non, ça c'est pas bien, oui, mais bon, quand même, bon, c'est pas très important. Je dirais non pour deux raisons. L'une qui tient à la sociologie de la magistrature. Ce qu'il faut savoir, je vais pas me faire des amis, mais bon, on a l'habitude au syndicat de la magistrature, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le magistrat, pour tirer à très gros traits, c'est quand même un peu un geek du droit. C'est quand même quelqu'un qui, quand il était étudiant, qui a vraiment une passion quand même pour le droit. On vous l'a dit hein, tout à l'heure, la très grande majorité de l'activité dans une juridiction, c'est le droit civil. Donc nous, on parle beaucoup, beaucoup de droit pénal, droit pénal, droit pénal, mais quand même. Donc du coup, il y a quand même des contentieux qui sont extrêmement techniques et tout ça. Donc du coup, le juge, c'est quand même un peu un curé du droit, quoi, si je devais le dire un peu de manière dépréciative. De droite, mais quand même curé. Oui, la magistrature est de droite, hein. Il faut bien le savoir. Et donc du coup, lorsque il y a un problème de procédure, une irrégularité, une illégalité, il y a quelque chose qui véritablement est urticant. C'est ça. Il n'aime pas ça, le juge. Il faut quand même respecter le droit. Il y a vraiment quand même un syllogisme juridique qui doit être clairement voilà. Après, c'est peut-être un peu moins le cas chez certains cow-boys pénalistes. Mais c'est quand même une race assez assez rare quand même dans les tribunaux, peut-être certains procureurs, certains substituts, mais quand même je vois que du coup le droit est quand même c'est finalement notre seul allié face à la politique du chiffre, aux conditions d'exercice qui sont extrêmement dégradées. Souvent, en plus, du coup, on touche quand même à des questions. On n'en a pas parlé, mais à des questions qui sont humainement très difficiles. Aller sur des scènes de crime, placer des enfants, énormément de contentieux sont très difficiles psychologiquement. Donc, du coup, c'est aussi des conditions, on va dire, d'exercice. Alors, ça nous passionne, hein, mais quand même, qui sont quand même difficiles. Donc, du coup, le droit est un peu peut-être un refuge. Donc, du coup, je dirais non de ce point de vue-là, d'un point de vue sociologique. Et la deuxième raison, c'est quels sont les moyens de vérifier la régularité d'une procédure. Quand vous avez, pendant les manifestations des Gilets jaunes, à Paris, devoir vérifier 300 gardes à vue, 400 gardes à vue dans une journée, comment est-ce que vous pouvez humainement, pour un substitut qui n'a que des comptes rendus oraux, qui n'a pas de papier, qui est avec son micro, avec les comparutions immédiates qui s'enchaînent, des instructions qui sont extrêmement compliquées, qui viennent à la fois de l'intérieur de la chancellerie, de votre président, et avec en plus des effectifs qui sont extrêmement amenuits durant ce type d'événement. C'est-à-dire qu'à Paris, hein, la permanence qui s'occupe P12, la fameuse permanence générale, ils sont dans les temps de gilets jaunes, ils sont 10, parfois 12 et encore de manière totalement égrenée. Comment est-ce que vous voulez, à 10 substituts, quand vous avez des milliers de gardes à vue à gérer, comment est-ce que vous voulez vérifier que le gardé à vue, on lui a bien notifié ses droits, que ses droits ont bien été respectés. Donc du coup, il faut pouvoir aussi donner les moyens à l'institution judiciaire d'exercer son plein office de gardien des libertés. Et ça, pour le coup, c'est pas gagné. Alors, chez les avocats, la question de la procédure, c'est vraiment fondamental, essentiel. C'est vraiment l'obsession des avocats. Et on fait ce qu'on soulève, comme on dit, des nullités de procédure devant les tribunaux. Le problème, c'est qu'on perd très, très, très souvent, il faut être philosophe dans ce métier. Ce qui signifie qu'on n'a pas vraiment la même lecture du droit que les juges. Donc, on exerce des recours. Et c'est comme ça que se crée ce qu'on appelle la jurisprudence, c'est-à-dire la lecture de la loi par les tribunaux. Et c'est très intéressant de suivre ça de près, parce qu'on voit qu'au fil des années, ça évolue, et que la philosophie du droit, elle évolue. Et aujourd'hui, ce qui prime, c'est la notion de procès équitable. Toute personne, quelle que soit l'accusation, a droit à un procès équitable. Et c'est une notion qui, à mon avis, est fondamentale, parce qu'elle est exactement à l'opposé de la notion qu'évoquait Sarah Massoud tout à l'heure de droit pénal de l'ennemi. Et la grande discussion aujourd'hui, c'est ça. Est-ce que les gens auxquels on reproche un crime ou un délit sont des ennemis de la République et par conséquent seraient privés de droit, ou est-ce qu'eux aussi ils ont droit à un procès équitable? Vous savez qu'un type comme Éric Ciotti, nouveau concurrent à droite, a dit que, pour faire court,
les terroristes sont des ennemis de la République et n'ont donc pas droit à un procès équitable. Avec son collègue Estrosi, j'ai cru comprendre que finalement un Guantanamo à l'île de Ré et puis du waterboarding, ce serait formidable. Bon, donc le grand sujet, à mon sens, pour la présidentielle, c'est d'assurer cette notion de procès équitable qui est vraiment la clé d'un état de droit. Je crois que le drame aujourd'hui, c'est de voir que, d'entendre dire que la sécurité est la première des libertés, sauf que la sécurité n'est pas une liberté. Et il faut donc remettre les choses en ordre. Pour finir, un petit livre de Stefan Zweig vient d'être édité, qui ne l'avait pas été jusqu'à présent, une miniature, comme il appelait ça, qui s'appelle Cicéron, l'avocat romain. Et il raconte Cicéron pendant la dictature de César et il lui prête cette phrase extraordinaire. Il dit « L'idée même de liberté avait disparu ». C'est ça qui nous menace. Et donc ici, on est réunis pour faire vivre cette idée. Et la liberté, c'est également exercer des droits judiciaires, des droits civils et puis des droits politiques. Et on ira voter en 2022. Exactement. Merci à tous les deux pour votre participation. J'espère que ça vous aura éclairé et donné aussi des arguments quand on vous dit il y a une opposition, les policiers se plaignent des magistrats, ils ne travaillent pas ensemble, etc. Vous avez compris que c'est complètement faux, ils font que ça au quotidien, ils travaillent ensemble. Donc quand on avait vu des trucs aussi énormes, il faut rapprocher les magistrats des policiers pour qu'ils se parlent. Ils ne font que ça, matin, midi et soir. Et des fois, ils font que parler, il n'y a pas les PV, on aura bien tout compris, vous avez tout saisi les trucs. Ce que je veux dire en conclusion, c'est... allez voir ce qu'on avait produit sur le rapport sur l'indépendance de la justice. Il y avait 63 propositions. Je ne sais pas comment on va faire pour toutes les mettre en œuvre. Est-ce qu'il faut vraiment toutes les mettre en œuvre comme ça? On verra bien aussi le moment venu. C'était une contribution aussi dans le débat. Il y a le rapport que j'ai rendu aussi sur la lutte contre la délinquance économique et financière, qui est un cas concret très intéressant, justement parce que dans ces offices centraux, ces policiers spécialisés, ils ont des difficultés pour recruter lors des mutations. Ils ont des postes vacants, alors qu'on est sur le nec plus ultra de la police judiciaire. Et donc, il y a des vraies problématiques auxquelles on sera confronté le moment venu. Et ce qui tombe bien quand même, c'est qu'on a un programme, des propositions et des gens pour l'appliquer le moment venu. Et comme j'ai plaisir à le dire souvent parce que je l'aime beaucoup, comme dit mon collègue François Ruffin, à la fin, c'est nous qu'on va... Bon appétit.